Et messieurs, dames, bonsoir à tous et à tous. Ici Draken sur Evasement Studio, on se retrouve ce soir pour continuer notre aventure sur À la Valheim. banque principale. Et je suis accompagné de mes chers amis. Bonsoir messieurs. Ben bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Donc je suis toujours accompagné de Jake, Ouais. Imra Hello. et Wedjos. Présent. Et du coup, ce soir, on va casser du boss. Franck? Aussi, Let's go, ça oui commence aussi. bien. Alors, le petit jeu, montre-toi le jeu. Oui, je veux que tu me montres Valheim, s'il te plaît. Je confirme que le son est sur le stream. Oui. Attends, parce que Sur le stream en là, verrouillé, hein. je n'ai pas le jeu. Le jeu ne veut pas se montrer. Ah, c'est des choses qui arrivent, ça c'est un peu long. Je vais devoir relancer le jeu. Attends, je vais tester un truc. À toi le jeu, allez, recharge-toi, petite feu. J'ai remis du feu, oui, enfin du bois dans le feu, quoi. J'en ai remis dans la cuisine était éteinte. Ok. Ah, là, le jeu. Ah, Terrible, hein. je sais pourquoi il ne veut pas. Ouvre toi Steam. Parce que je lance le jeu en mode administrateur. Ah oui, toujours, hein. Ah mais non, mais justement, comme je le lance en administrateur, il ne veut pas s'afficher sur OBS. Ce sont des petits problèmes techniques qui arrivent de temps en Oui. temps, sans que tu le veuilles. Oui. C'est vrai, je suis passé sur la scène d'avant. Comme ça, vous avez le temps de vous stuffer, faire toute belle. Oui, le stuff, Monsieur Wed, est dans l'armurerie à l'étage. C'est fait, je me suis équipé. Ok. Et voilà, bah, il te reste armes, si t'as envie, voilà. Donc oui, parce que nous n'avons pas dit, on a farmé les veines d'argent que nous avions trouvées hors stream. Ouais, il en reste, hein. Ouais, ce qu'on a dû en chercher, parce qu'on se disait, c'est bizarre, il n'y en a pas beaucoup. On a fait pas mal de recherches, on a trouvé, on a fait pas mal Et on d'argent. regarde On a mon trouvé. arme. Oh putain, mais Imra, c'est Thor versus. Enfin, Il est trop stylé, hein? c'est. Comment c'est pas Mjolnir, c'est le nouveau là. Comment il s'appelle? Jonathan. Stormbreaker. Ouais, ça. Non, c'est Jonathan qui s'appelle. Draken, faut que tu vois vraiment que tu vois cette hache. Elle est magnifique. Oui, c'est la hanche en Ah, quelle cristal, jolie. la hache double en cristal, Ouais. Ouais, là. Ouais, elle est justement, trop bien. je m'étais dit, tiens, je pense qu'Emery va la prendre. Ah, moi j'ai pas hésité. Mais j'en Hop. ai créé une deuxième par erreur, donc il y a une hache niveau 2 déjà dans un coffre. Si Ah, quelqu'un veut la prendre. oula, tac. Hop. Non, le jeu. Voilà. Le jeu s'affiche bien. Oh non, je pense que j'ai gardé mon bouclier Ah oui, le épée. nouvel arc, c'est le croc de drogueur. Ouais. Ouais. Il fait des Faudra dégâts qu'on farme pour d'empoisonnement. la craft. Hop. Alors non, je Parce que un arc level max avec pour 4 personnes, ça va être Ouais. expensive. C'est la viscosité qui vous manque? Parce que l'argent, on l'a. L'argent, on n'en aura pas assez si on veut tout up. Hein. Oui, Ouais, non, pas l'argent, tout, bien sûr. viscosité, on en a 105. Ok. Pas Il en énorme. faut 10 par arme, je crois, donc ça va. Oui, c'est Ouais, ça. mais Sans compter les améliorations, je sais pas ce que coûte l'amélioration, par contre. l'amélioration va piquer, hein, parce que rien que pour l'épée en argent, c'est 20 d'argent pour la faire. L'améliorer level 1, c'est. Enfin, level 2, c'est 10. Après, ça fait 30. Après, ça fait 60. Hein. Ouais, c'est pour ça part très vite, Voilà, on va être obligé de farmer des montagnes. c'est Oui. x2 à chaque fois Oui, pour oui. améliorer. Hein, donc, C'est bon, oui, c'est bon, j'ai le retour en ouais, effet. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout va bien, tout est bon. Du Nous coup, sommes voilà. dans le bon canal. Oui. Donc voilà, on avait rempli à peu près ce coffre-là, full d'argent. On a fait un peu de stuff. Voilà ce que ça fait. Et du coup Il m'a aussi. fondu. Voilà notre stuff, quand nous sommes en stuff loup, full argent, Au gros. ressemblant à ceci. Attendez, 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 attendez. Waouh. J'ai mis les couleurs de mon Waouh! fauteuil. Ah oui, voilà, Avec oui, le bouclier qui brille. l'hache, il me fait penser un peu au marteau des Draenei dans Blue. Oui, C'est vrai. Oui. Les Les couleurs marteaux comme ça, cristaux, violacées. Hein. cristal, là. Du coup, ce Marteau. soir, on fait Masdos. Enfin, on refait Masdos pour Wed, comme ça, Monsieur Wed y aura le diapason.
on fait le boss Modère que nous avions trouvé au dernier stream. Avant Modère, on va quand même faire un donjon. Oui, le donjon, ouais, donjon des montagnes. Parce que, ouais, manque de bol, ouais, quand on a fait Mazdos, on s'était baladé dans les montagnes, et par hasard, on a trouvé un donjon montagne. Et dans ce donjon, okay. Il y avait la position du prochain boss. Sachant que ces donjons montagnes existent depuis mars 2022, ils n'existaient pas avant. Ah oui, donc ouais, c'est... Et fait encore plus amusant, c'est que Modère, il est sur la montagne, et juste à côté, on a le spawn du prochain boss. Il y a que lui. Ouais. Ah ouais, ils sont côte à côte. Hein. Quand on a trouvé ça par hasard, on s'est dit, mais c'est quoi cette structure? Alors, on allait vérifier, puis bah voilà. Les moustiques nous ont accueillis d'ailleurs. Oui. Évidemment. Ah, il manque pas de piquant. Hein. Et mais c'est, alors, surtout, ce qui est encore plus marrant, c'est qu'à côté du boss, enfin du spawn de boss, nous avons un bon 3 gros fortins de nains, enfin de nains, de gobelins, juste à côté. Donc, va falloir on a une mégalopole de gobelins à côté. Ouais, va falloir tuer les gobelins et puis après prier pour nos vies. Mais bon, on n'en est pas là pour le moment. Oui. Moi, je suis ready, je mange. Moi, je prends mon repos, je suis prêt. Et également... Je mets ma nouvelle lance et j'arrive. Hop. Je suis trompé de cuir. Hop. Pensez au repos et que quelqu'un prenne les items d'invoque. Oui. Ah oui, les 10, oui, effectivement. Oui, pas comme au dernier stream, je vais les prendre. On a dû faire un aller-retour. Ouais, je vais les prendre comme ça. Alors du coup, est-ce que quelqu'un a le pouvoir d'Ektir? Oui. Ok, comme ça au moins on pourra l'utiliser. Et oui, du coup on a pas montré aux gens, mais avec les présentoirs, bah, vu qu'on a notre nouveau stuff, on a mis l'ancien stuff, enfin perso j'ai mis l'ancien stuff de fer sur le présentoir. Pareil. Donc, ça fait ceci, avec l'épée et bouclier. Étonnamment, ça a augmenté de 1 le confort. Alors c'est même qu'on le met ou qu'on le met pas, hein, c'est juste les présentoirs. Oui, bien sûr. On met le truc et voilà, on est passé. Ça aurait été cool que ça augmente encore de 1 quand tu mets l'armure. Oh mais attends, t'imagines Non mais juste que ça compte que. Ça compte que pour 1. Oui sinon après oui, tu mets juste 50 présentoirs. Tu fais du full stuff à Yon et puis c'est bon. Juste petite astuce pour la base, nous, au lieu de faire le grand tour par les grandes portes, prenez la sortie de secours accès pompiers, c'est un peu plus rapide. Ah oui, c'est vrai. Oui, on a aussi pas mal. On a fait le contour du continent. On a découvert le nouveau biome qui n'est pas encore sorti. Ouais, alors, info par rapport à ça. Dans notre dernière aventure l'automne dernier avec Imra, Wed et Airprince, on était tombé sur ce qu'on appelait des marées araignées, qui étaient en effet les terres brumeuses. Elles étaient un peu végétalisées, il n'y avait pas grand-chose dedans, mais voilà. Et ça, il y a eu une mise à jour par rapport à ça. Tout est vide, parce que ce sera vraiment le prochain biome après les plaines. Il n'y a plus de végétation, il n'y a plus d'animaux, c'est vide, 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 il n'y a rien. Ouais, du coup, pour l'instant, ce sont des zones safe. Il n'y a rien, il n'y a même rien à ramasser. Mais voilà, on peut les traverser en zone safe. Il y a un TP d'ailleurs en bas d'une montagne. Yes. En zone safe, mais quand il y aura la mise à jour de ce biome, ce sera la prochaine zone dangereuse. Oui, enfin, après, faut déjà qu'on arrive à passer Modère, les plaines. Oui, en vrai, on se prépare pour ce nouveau biome qui est censé sortir cet été. Hein. Tout à fait, oui. Et encore, on restera à attendre le biome des terres cendrées, puis le biome du Grand Nord. Ouais. Et on a même pas exploré 30% de la carte. C'est pour ça qu'il y a des abominations dans les marais normaux. Parce qu'avant, il y avait des abominations, mais dans les marais aux toiles d'araignée. Ah, oui, donc les abominations, c'était les terres brumeuses. Ils les ont sûrement déplacées, histoire d'avoir un grand monstre qui fait peur, comme on a les trolls dans la forêt noire. Dans chaque zone. Hein. Ouais, voilà, les golems dans la montagne. Oui, les golems, du coup, si jamais vous avez un golem, oui. le buff Mazdos fait extrêmement du bien parce qu'il réduit les dégâts.
Ah ouais, et, il réduit au moins de 4 fois les dégâts. Ouais, ouais. Genre, en gros, hein, tu te prends un coup, tu perds juste 15 points de vie. C'est quand même. Et faut l'attaquer à la pioche. Ce qu'on lui fait, genre 50-60 de dégâts selon la pioche qu'on prend. Donc ça fait du bien. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Ah, oui, il n'y a pas pris son confort. Ask. Yeah. C'est bien, au moins on a pu tous se faire le stuff de loup. Non, normalement, Mazdos, on le passe facile. En étant prudent, certes, mais on le passe facile. Oui, 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 je pense. On aura toujours le poison, mais vu qu'on va avoir la résistance. Ouais, c'est de vrai. C'est ça ta nouvelle lance, Wed? Bah non, elle est encore plus moche que ça. Mais là, je voulais juste mettre la lance ancienne derrière. Parce que du coup... Ah oui, ouais. Je sais pas si c'est possible. Oui, si. Non, pas le marteau. Non, pas le marteau. On a tous fait l'erreur du marteau. Hein. Ça, c'est la nouvelle? Non, c'est l'ancienne. Oui. La nouvelle, elle est moche. D'accord. Voilà. Il y a juste un croc de loup au bout. C'est juste un bâton. Oui, un bâton avec un croc de loup. Voilà, c'est la nouvelle. C'est vraiment un bâton préhistorique, ce truc. Ouais. Bon, ça coûte 2 argent, c'est pas cher, mais... Ouais, ouais. Bon, après, ouais. Pour un de dégâts en plus par rapport à la lance ancienne maxée. Ah, oui, bah, oui. Ouais, quand même. C'est-à-dire quand tu vas l'améliorer encore plus. Bon, bah, bon, c'est parti, hein. Eh ben, let's go. Hein. Allons-y. C'est quel TP déjà? J'ai pas reposé. Wedgeos. Si ça n'a pas changé, c'est TP Wedgeos. Et je crois même. Il y a tellement de TP qu'à force, je sais plus où est. C'était TP Wed. Et si je dis pas de bêtises, il y a encore à manger dans le coffre. Là, les, tout, enfin, il me reste, il avait dit. Oui, non, moi j'ai pas pris. Oui, oui, j'ai les 10 os. Ça y est. Et oui, et donc il y a de la bouffe dans le coffre. Si, ouais, ouais, t'avais laissé des choses à côté du TP. Oui, c'est normal, je crois. Ouais. Oui, mais c'est juste pour. C'était toi manger. Si jamais t'as un petit croc, voilà. Ben, on est bête, oui, on part la nuit. Wouah, hey, un peu de challenge. On n'a pas peur. Hein. Attends, on s'est refait en full stuff et tout, et si on meurt dans les marées, à un moment, faut qu'on arrête le jeu. Attendez, on attend Wed quand même. Un accent est vite arrivé, mais un accident. Un accent. Un accent. J'ai bugué. Ah, y'a off course. Un accent belge. Mais Darling. Ça y est, on va taper le Belgique. Bon. Hop. Par contre, quand on prend un portail, enfin quand quelqu'un d'autre prend un portail, il y a des méga freeze à la base. Galérer à prendre le suivant. Ah, mince. Alors moi, je me suis rendu compte, c'est que quand on arrive tous les deux en même temps sur le portail, le jeu, il aime pas trop, du coup, tu marches sur la tête de ton collègue. Oui. Du coup, faudrait tester de faire la queue leu-leu, voir si on fait une chaîne, une tour humaine. Non, une tour humaine. Non plus. Ah ouais. On peut tenter, hein. Ah oui, attention, sensu. Oh, mais il fait ça jour. Y est, c'est le jour. Ah bah voilà. Vamos. Vamos a Mazdos. Alors. J'ai même pas regardé les bonus de l'armure. Alors, le truc de loup. Ah, y a, la cape de loup, c'est résistant contre le givre. Ouais, t'as plus besoin de potion de givre. Mais sinon, il n'y a pas de bonus full pour le set. J'ai vu qu'on était à moins 15% de vitesse, c'est encore pire que le reste. Oui, c'est pour ça que... Mais en fait, c'était pareil que le fer. Hein. Le fer, c'est... Non, le fer, c'était moins 10. C'est la même... C'est moins 5 et moins 5. Hein. Non, c'est... En fait, c'est moins 5 par pièce, là, pour l'argent, alors que pour le fer, c'était... Moins 5 aussi. C'est pour mais ça il que me semblait que le max, c'était à moins 10. C'est pour ça que je courais tout... En fait, c'est le... Quand l'épée et le bouclier font également moins 5. J'ai pas de bouclier. Voilà. En fait, c'est pour ça que je cours tout nu. Enfin, je cours tout nu. Je cours avec mon casque et ma cape parce que tu perds de la vitesse quand tu laisses full set. Sachant que si on y arrive à farmer, il y a quelqu'un qui pourra se faire par la suite le stuff loup-garou. Qui lui par contre, alors ça sera moins tanky, mais un peu plus de dégâts je crois, et la vitesse... Ah oui, le fait là. Ouais. Bon, hop. Mais pour l'instant, à part farmer les donjons de montagne, les loups-garous sauvages ne lootent pas ce qu'il faut. Ah. Oui, c'est ça, on est obligé de faire les donjons.
Ouais. Bah du coup, ouais, donc laisse invoquer. J'ai pas pris les os. Ou si Imra, vas-y. Si tout le monde est prêt, hein. On recule. On prend le, la potion. Dès que c'est invoqué, vas-y. Ouais. Vas-y, ouais. Je la prends tout de suite. C'est 10 minutes la potion. Ouais, c'est 10. C'est pas 20 minutes. On va tous mourir. Alors, c'est je sais un plutôt à quoi il ressemble. Il est de toute beauté. Dégueulasse. Je pense qu'en termes de description, on est pas mal. Mais ah, je me suis éloigné pour pas qu'il pop sur moi, il pop sur moi quand même. Il est de toute beauté. Ah oui, c'est Oogie Boogie. Ah, du coup, maintenant avec l'épée d'argent, on crame. Bon, ça va être facile. Ah oui, mais ça va aller vite, hein. Ah bah ouais. Mais sérieusement, c'est abusé. Les dégâts qu'on lui met. Attends, je vais tester un truc en plus. Voilà, voilà. Vous pouvez compter le nombre de buffs et de debuffs à gauche, à droite. Ouais. C'est pas trop mal. Ouais, c'est ce qu'il faut, prendre des buffs différents. Hein. Vu que ça se cumule, faut pas hésiter. Hein. Bon, après, c'est bon, celui de couper le bois sur un boss. Je pense, oh non, faudrait que je regarde l'épisode qui est sorti aujourd'hui sur la chaîne, mais je crois qu'on a mis au moins un bon 20 minutes pour le tuer la première fois. Ah oui, oui, ah oui, vraiment, 15-20 minutes facile. Okay, on a du kite et tout, hein. C'était Je me souviens, il y avait, fait, délicat, spawn, il y avait même fait spawn des trucs. Bon, la musique est toujours assez stylée par contre. Ouais. Ah mais parce que du coup, ouais, toi... Il tourne sur lui-même. Ouais, tout petit Beyblade. Il sait plus qui taper. Je pense qu'il est en détresse, vas-y. Aidez-moi ! Je suis bien. En vrai, c'est facile, hein. Ah ouais, bah ouais. Ah oui, quand tu as le palier d'au-dessus, ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est pas la même, la dernière fois. C'est nazi. Voilà. Easy. Voilà. Du coup, on te laisse prendre le trophée. Hop. Hop, je te... C'est bon, bah, allez. Bon, bah, j'ai l'oiseau allez, qui c'est veut bon, me parler. Fin de stream, c'est bon, on a fini. Merci allez, à tous. Salut, salut à tous. bon. Du coup, j'ai récupéré 4 bréchés. Ah, t'en as récupéré un. Ah, ça a quand même redrop les. Ok. Ah, c'est. J'aurais dit que ça t'en aurait fait qu'un seul, mais. Bah, au moins, tu l'as eu. C'est le ouais, principe. Au ouais, moins, si jamais il y en a un qui meurt et qui a la flemme d'aller récupérer son stuff. Enfin, le stuff du loup, t'auras pas la chance d'aller chercher. Oui, oui, oui. Quoi, le stuff du loup, on n'aura pas le temps d'en faire 4 pour chacun. Hein. Oui, non. Ah oui, et du coup, le bréchet fonctionne également pour les tas de boue. Si ouais, il y a des tas de boue sauvages dans les marais. Ouais. Tas de boue sauvages. Et il y a également des tas de boue sur les flancs de montagne. C'est ça qui est marrant. Oh, un tas de boue sauvage apparaît. Vite, une Pokéball. Bah, c'est en bol, même. Je vais ouvrir l'autre, le Pokémon Clicker sur l'autre PC, fais gaffe. Robert, il va partir, il va être en contribution. Ah, Robert, il est shiny là, let's go. Hop, bon bah du coup, let's go au prochain boss. Et du coup, pour le prochain boss, donc Moder, apparemment, il aime pas trop le feu. Donc si vous voulez, prenez des flèches attends, de feu. Attends, je pense que les dégâts d'esprit, du oui, coup, oui, c'est vrai, pas considéré comme une brûlure. Bah, je pense qu'on va plutôt taper à l'arc. Ah bah tiens, Ymir, parce que Moder, c'est un dragon. Il va nous faire des fausses rôdes. Hop. Petit donjon. Par contre, l'épée se casse très vite, hein. Genre là, je suis déjà. J'ai déjà perdu à peu près un quart de la durabilité en l'épée argent level 1, rien que sur Mazdos. C'est normal ça. Hop. Je vais faire le tour. On va réparer du coup. Et... Eh ben, en fait, il faisait soleil quand on sort du marais. C'est agréable. On va pouvoir aller reporter la potion d'antipoison. J'ai même pas utilisé une potion revigorante en tout cas. J'en ai utilisé une au cas où. Il s'est explosé le pot. Je vais en prendre deux.
Par contre, n'hésitez pas aussi à prendre des potions d'endurance. Pour le... Ça se cumule avec les potions revigorantes ? Oui, normalement oui. Ça régène 82 d'endurance, vu qu'on va, je pense, taper beaucoup à l'arc pour le boss. Enfin, après, pour le donjon, ça ira simple. Mais bon. Ça dure combien de temps, les potions d'endurance ? Je crois que ça dure... ça doit durer 5 minutes, je crois. Et tu peux pas en reprendre d'autres, bien sûr. Ouais, j'ai pris des poissons de givre, mais on a plus besoin en théorie avec la cape. Y'a plus besoin. Ouais, non, on a plus besoin. Alors, voyons voir les énormes trous à côté du pop du boss. Attends. Potion. Sinon, je pense qu'on va faire le donjon, on va venir réparer et puis on prendra les œufs parce qu'on va pas se trimballer. Ah, on peut pas voir. Il faut un portail pour les œufs, un portail. Portail, vous pouvez prendre le portail Draken. Ouais, mais est-ce qu'il sera au niveau du spawn ou pas? Ah, juste, on est juste à côté. Tu vas voir, tu verras, mais... c'est juste à côté. Ne prenez pas les œufs, ils pèsent lourd. Ne prenez pas les œufs maintenant. Ouais, non, les prenez pas, on va faire le donjon. Par contre, ouais, du coup, pour le boss, ça va être marrant, hein, parce qu'on a dû faire un énorme trou pour les veines d'argent. Bah, c'était là où il y avait vraiment 4 veines d'argent les unes sur les autres. Oui, c'est ça le pire. On peut pas mettre. Ah non, il va les casser. J'allais dire, on met des planches au sol, on rebouche le trou. Mais il va tout péter, je pense. Oui. Sûrement. En plus, je crois qu'il va faire spawn des dracs aussi. Enfin, il y a de grandes chances. C'est bête qu'on peut. On peut pas faire des emotes dans Valheim. Tu tapes slash emote et t'as la liste sit wave challenge here non de point de. Et thumbs up, mais ça je sais pas ce que c'est. D'accord. C'est montrer du doigt sûrement. Draken. Portail Draken. Oui, portail Draken. Ah, il est à l'étage non? Non, il est non, sur Big Roger. Il est sur Big Roger tout au fond. Tu vois, genre ça ouais, c'était une vie, c'était des veines d'argent. Voilà. Et le pire, c'est qu'on comprenait pas avec Jake parce que je t'avais mis le diapason. On en trouve une, ça rebipe au même endroit. On fait bah mince, c'est la même. En fait, non. C'était vraiment 4 côte à côte. Ah oui, il est énorme ce trou. Ah oui, bah oui. Et c'est même avec Jake qu'on s'est dit mince, pour le boss, ça va être un peu compliqué. Golem. Oula. Ah oui, il est tout au fond. Il m'a vu. Hein. Bah d'ailleurs un œuf juste à côté en plus du coup. Ouais, moi je sais pas s'il y a respawn. Avec des flèches en bois. Ouais. De toute façon, les flèches ça fait rien sur les golems. Ouais, ouais. C'est juste guili guili. Ouais, attends, on qui. Ouais, il tape. Enfin, je sais pas du coup, c'est avec les nouvelles armes on fait des dégâts ou pas. Non, on fait moins de dégâts, le mieux c'est la pioche. Alors je sais pas s'il y a une pioche en argent. Il n'y a pas d'outil en argent non. Ça pique. Pique et collégramme. J'ai vu un truc qui me. Je brille ou pas? Je crois que j'ai brillé, je crois qu'il y a encore du. Oui, c'est ça, j'ai bien vu, t'as bien brillé. Hein. Ah, retraite. Une lumière, et recul. Ouais. Retraite. On est en train de le bolos. Reviens. On le bolos, c'est horrible. J'ai sauté sur sa tête. J'ai donné des coups de pioche sur sa tête, c'est incroyable. Ah oui, mais tu vois, il y a une pierre unique. Oh le pauvre. Attends, moi, j'ai cru que je... Des vouivres de givre. C'est les dracs. Ah oui, d'accord. C'est les dracs. Ouais, je pense que la traduction est pas très bonne. J'aurais dit des wyrmes de givre, mais... Non, le vouivre, je pense que c'est le bon terme. Vouivre. Pas de minerai d'argent, non. Le donjon, il est là-bas. C'est le point à droite. Attends, parce qu'on va quand même ping la veine qu'il me rêve à trouver. Ah oui, c'est ça, bah voilà, elle est à tes pieds, mais c'est là où on l'avait pas ping, celle-là, parce qu'on s'était fait attaquer, on avait pas eu le temps. Ah oui, c'est vrai, ah, oui. Non. Voilà, là voilà. Bon, ce sera... Voilà. Attends, parce que... Oui, ok, hop, c'est bon. On va pouvoir refaire un peu de stock, c'est bien. Ouais. Arrêtez. Non. Mais non, mais je fais un escalier. T'as voilà. Juste à sprinter et ça monte tout seul. Ouais, en plus c'est bien, c'est que on saute de plus en plus. Oh, oui,
Oui, en bas. Ah, j'ai entendu un Drake. Ouais. Pas fait long feu. Hop, et une glande gelée. Donc du coup, ouais, le spawn du boss, il est de l'autre côté. Et il y a un Drake, Il y a un autre Drake là-bas. Ouais, et tout là-bas. Oui. À qui viennent ? Il nous a pas vu. Ouais. Et du coup... Oh, il est parti, mais il est parti. Mais c'est le dungeon. Attends, je me casse pas les filles qui sont jolies et tout. Oh, c'est ça les donjons ? Oui. Donc laisse passer en premier. Magnify. C'est parti. Frost Cave. Alors du coup, nous, la première fois avec Jake, on s'est dit, bah mince, on est bloqué. Et ben voilà. Ouh. Alors tiens, tu peux prendre les cheveux. Les poils de Fenrir. Incroyable, des poils. Ouais. Yes. On va à droite. Je préfère pas en connaître la nature. Hein. Parce que là, attends, je crois que c'est un cul-de-sac. Un aventurier ne va jamais tout droit, donc il faut aller tout droit. Alors, du coup, dans le coffre, on a des sous de l'obsidienne. On fait quoi? On va à droite, on va à gauche? On va du début vers le fond, non? Ça me paraît plus pertinent. Oui. Tout à fait. Oui, oui. Comme à chaque fois. Bah, vous faites le contraire. Je sais pas, on va bah, si, vers le fond. Bah, du, non, début, on a dit du début vers le fond. Oui. Ouais, non. Ah, moi je fais l'inverse effectivement. Moi en général je vais tout au fond et après je retrace le chemin. Donc quoi, ici on peut choper des monstres, des cultistes. Ah, Loulou. Fenrir. Bah, un peu fait en feu. Bonjour. Coucou. Des coffres. Des sous-sous. Et des sortlings. Ah non, c'est... Ah bah... Pourquoi je peux pas taper? Le feu, ça brûle. Y'a rien du tout ici. C'est un cul-de-sac. Ah, j'ai un trophée. Ah, cool. Oula, attention. On prenait pas mal de dégâts, mission. Ouais, ça brûle, hein. Ils sont chaleureux, c'est moins qu'on puisse dire. Oui, y'a des... Toi qui voulais faire des saucisses, Wed, t'as des tas de viande. Et dans les tas de viande, on chope beaucoup d'entrailles. Ah oui, c'est ça, les rideaux là. On yes, alors. Casse tout. Voilà. C'est sympa, hein. Ils ont leur propre petite maison et tout. Mais moi je me dis c'est vraiment stylé parce que t'as ça à l'intérieur de la montagne, tu dis tu. Enfin. Certes c'est une instance mais. Imagine tu creuses à la montagne, t'arrives jusqu'au château. Bah moi j'ai déjà plus d'espace dans mon inventaire. Donc ça y est, faut retourner au début et aller au fond. Ouais. Enfin là du coup on va à droite. Moi je suis déjà comme chez moi. Hein. Je vais mettre dans le coffre moi perso. Vous pouvez péter les bras zéro. Ah oui ça donne du bronze non? Du oui. Charbon. Ah oui. Des chauves-souris. Hein. Oui. Ah oui et du coup comme on a fait les donjons montagne, maintenant ça débloque des attaques de chauves-souris à la maison. D'accord. Et très charmant d'ailleurs. Et il faut faire très attention parce qu'elles attaquent nos sangliers. Ah, il faut leur faire une maison alors. Du coup. Mais les sangliers peuvent. Alors, même s'il y a des pertes, les sangliers se défendent. Oui, ouais, c'est. Mais bon. Le jour où on va se dire, ouais, on va en tuer quelques-uns et puis on a Il m'a pas vu. J'ai détruit les rideaux devant lui, il m'a pas vu. Derrière. Ah, il y en a derrière! Attendez le caméraman! C'est trap! Attendez le caméraman! Ça explose de partout! Punaise! Ouais, il y a des peintures rupestres de temps en temps si vous levez la tête. Oui, ouais, il y a des trucs rouges sur les murs. Ah oui, ils étaient tous dans la maison là. Ah oui, d'accord. Ah, ils ont une belle maison.
MRR. Ben, on va peut-être le voir. Ah, faut pas récupérer ces rideaux là. Si, ouais, il faut taper. Vas-y, on casse tout. Hein. Pour les récupérer, il faut taper à l'arc dedans. Ouais, mais j'ai essayé avec l'arc plusieurs fois. Si, si, c'est... en fait, faut taper au milieu. Faut taper au... en haut au milieu. Ok, d'accord. Ok, c'est good. Hop. Bah, tout à l'heure, j'avais réussi à en faire tomber, là, j'y arrivais pas. J'adore cette statue de loup, je veux la même. Oui, elle est stylée. au début, dis-toi, je pensais que c'est, on pouvait miner, mais c'était un passage secret. J'ai entendu un rugissement. J'ai pas peur, ça va bien se passer. C'est mon estomac. Ah bah c'est... Ah bah, bonjour messieurs. Au revoir messieurs. C'est de la lévitation là. Il y a un sous-sol là où je suis. Ah. Je récupère des crocs de Fenrir. Oula, oula, ouais, non. Alors déjà, c'est un meilleur escalier. Si on tombe, ça fait mal, à mon avis. Ouais, ouais. Et... pas de bonne idée. Oula, oula, oula. Allez, à la queue, le monsieur. À la queue. Ils font mal, hein, quand même. Ah, ouais, ils sont un peu énervés, ouais. Rudy, ils n'ont pas les envahisseurs, je crois. Je vous laisse prendre le coffre parce que j'ai plus de place. Normal. Par contre, c'est moi ou ils ont rien goûté? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Ça sert à quoi d'enlever les torches? Ça, là, je n'en sais rien, mais les petits bras zéro, c'est charbon et bronze. Non, c'était pas cette potion-là que je voulais prendre. Là, on a fait. On a déjà fini? Non. Ah non, il y avait pas. Je pense, oui. Alors, à droite, là. Probable, ouais. Ah bah ouais, on a fini. Alors si ça vous tente par la suite, sachez que les donjons qu'on a trouvés ont été ping mais n'ont pas été faits. Il y a deux donjons montagne sur la montagne framboise. Si vous voulez on peut aller les faire. C'est où la sortie? C'est... faut monter. Et tu montes tout en haut et à droite. Elle est sur moi la sortie. Alors, vas-y, ça, c'est hop, bizarre. Là, Jake, tu remontes. Ah, vas-y. C'est là, pardon. Ouais. Wait. On dirait une grotte dans World of Warcraft. Oui, oui, c'est la grotte des kobolds. Et du coup, tu peux enlever ton épée, comme ça, tu cours plus vite. Il y a des choses dans le coffre. Beaucoup de choses. Oui, bah, je suis bête, c'est les choses que j'ai mis dedans. Attends. Il reste charbon et gelé que je ne peux pas prendre. J'ai quasiment rien loot, donc j'ai de la place. Ouais, je vous laisse prendre, parce que moi, j'ai plus de place en fait. Et oui, et du coup, il y a des murs, celui que t'as pété au début, Wed, sur les côtés, des fois t'as les murs de glace. Ouais, il y en a plusieurs dans le donjon. Ouais. Et on ressort, et on c'est la nuit qui va tomber. Faudrait se tamer des loups. Moi, je vais aller vider mes items parce que j'ai plus de place déjà. Vous voulez qu'on aille se vider? Golem. On fait quoi? Bah, on peut l'ignorer, hein. On fait golem. Un coco. Dans 2 minutes, j'ai le buff Azos. Faut vous décider, les mecs, hein, parce que. Bon, allez, on l'éclate. Allez. Bah, je crois que c'est lui qui nous éclate. Pas sûr. Aïe! On est dans un trou. Non! C'est un traquenard, ça. Sortez par le sud. On a plus d'endurance! Il nous reste 10 PV. Le caméra. Par contre, il est coincé, non? Il a l'arc, j'aimerais bien. Bon, ouais, il est complètement coincé. Je fais 14 de dégâts à l'arc. Je reviens, bougez pas. Drake. Attention, Drake! 2 Drake. Après, est-ce qu'ils attaquent le golem dans le caillou ou pas? Oui, mais ils leur font 0 de dégâts. Donc, Moi avec une petite flèche en bois. Allez, venez vous battre! Bah, moi je reviens, bougez pas. Il y en a une qui est faite. Moi je suis en train de faire l'autre, elle avait bientôt mourir. Il y en a encore une autre là-bas, un peu plus loin. Où est son cadavre? À côté du mien. Non. Le golem est mort? Non, le golem est pas mort. Ah ouais, le golem il est en vacances. Ouais, pouvez tuer le golem s'il vous plaît, que je puisse venir récupérer mon corps? J'ai plus de stam.
Là, je dois attendre la recharge de la star. Moi qui voulais retourner à la maison plus rapidement, bah voilà. Ouais, mais t'as pas pu te vider. Ouais. T'as une potion de givre sur toi, Draken ? Ouais, je l'ai pris. Hein. T'inquiète pas. Je l'ai pris au spo. Je suis remords. Moi, j'arrive pas à faire beaucoup de dégâts aux flèches de bois, hein, mais au moins il est coincé. Il y a des flèches de feu. Il y a pas mal de flèches de feu dans. Enfin, à la maison. Bah là, je suis en train de. Je sors un golem, pendant que je pense à prendre d'autres flèches. Ouais. Je reviens. Car je suis mort en tombant. Pourquoi tu prends des risques, Jack ? Fais-le à la flèche, c'est pas grave. J'en ai plus. Ah. Allez, je vais prendre. Moi, j'ai envie de faire un truc stylé. Parce qu'il sort. Quelqu'un l'a débloqué ? C'est sûrement moi. Sans le vouloir. Ok. Ok. Allez, cette fois c'est la bonne. C'est pas le moment là, Wyrm. Aïe. Moi aussi je suis faire des tourbillons là. Hein. On est en pleine tempête de neige. Draken, c'est bon. Ouais, bah en fait, j'espère juste que je ne vais pas faire spawn de loup. Sinon, je vais encore perdre des niveaux pour rien. Trop facile à esquiver, les drakes. Vous êtes nuls. Aïe. C'est quoi ce qu'il y a là-bas? Ah, c'est le. Ah, oui, non, c'est le spawn de l'œuf. Je reviens. Bon. Cadavre. Je vais aller me vider au village, pas chez nous. Ah, il y a un autre golem là-haut, mais c'est pas grave. C'est bon, il viendra pas vers vous. Hop, c'est tout bon, Jake, merci. Aïe. Putain. Par contre, il est cheaté en porte. Allez, parti. Yo. Je trouve plus le portail, je crois qu'il est. Tu remontes à droite. Dirige-toi vers l'icône du boss et aller au sud. J'ai pas l'icône du boss. Vers nous, vers, oui. reviens en arrière. Alors non, le golem. Encore un golem. Ouais. Tu remontes tout. Ah bah vous avez croisé le mien, je pense. Ouais. Il faut aller par là. Ouais. Hop. Là j'ai une stamina. Et là on fait le bouquetin. Ouais, si j'attendrai, jeune un peu. Yo, yo. Du coup, je vais enlever les pings de mes morts. Hop. Ah, j'ai placé pour continuer. Et il faut aller là. Allez. Et du coup, j'ai le golem, Imra. Je suis jamais de la vie. Non, il vaut mieux pas. Je vais pas le faire en solo, il escale pour 4. Hein. Oh, c'est une mauvaise idée. Hop. Réparons le stuff. Ils sont sympas les donjons de glace en fait. Ouais. Ouais. Faisons le stuff. Alors, les os. Tac tac. Oui, Croc de Fenrir, c'est dans divers montagnes. Croc de Fenrir, c'est dans Croc. Griffe de. Oui. Ouais. Fenrir. Les poils dans l'annexe. Ah, dans l'annexe. Ah, oui, c'est d'accord, t'as mis les trophées là. Ok. Alors, les poils, ils sont. Fenrir R. Tac. Redjout. Tac. Hop, si. Oui, j'ai chopé du bronze, tiens. En cassant les bras zéro. Du cristal. Le drap rouge, c'est ici. Les poils, c'est ici. Bronze. Non, bronze, c'est là. Hop. L'obsidienne. Les entrailles pour les saucisses. On en a beaucoup d'entrailles, la vache. Charme.
Et ben moi je suis prêt. Je prends mon confort et je suis prêt. J'ai aucun craft en cristal, il doit me manquer une compo. Une cristal, il y a que les vites. Il y a que les vites, ouais. Si t'as les vites. Bah la hache en cristal de. Bah non, en plus la hache en cristal. J'ai pas le craft. T'as pris de l'argent? T'as déjà eu de l'argent en main ou pas? Ouais. Attends. Ah, il faut. Est-ce ouais, que j'ai ramassé toutes les compos que j'avais pas. Et cristal. Attends, bizarre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la hache en cristal? Après, t'es peut-être pas allé. Bah non, normalement, pour faire la hache en cristal, il faut du cristal, de l'écorce ancienne et de l'argent. On a eu en farm là, il reste encore des compos de, d'absolument tout. Alors après, tu l'as pris à la forge, Wed? Parce que normalement, elle est en dessous de l'âge de combat. Si t'as pris de l'argent, du cristal et des corses anciennes, tu devrais l'avoir. Parce que j'ai le petit marteau à une main qui s'appelle Argy. Ouais. Ouais, ça, ouais, c'est parce qu'il y avait. Non, mais ça, c'est en argent, c'est même pas en. C'est argent cher d'hiver. Non, c'est un peu au-dessus, normalement. C'est avec les haches en fer, les haches en bronze. Tu les as pas ? D'ailleurs, le petit marteau argivre, ça doit être pour les golems, je pense. Non. Je dirais plutôt pour le prochain boss. Vu qu'il fait des dégâts de glace. Ou alors pour Mazdos. Si on veut faire rien. Ouais, non, j'ai aucun craft en cristal, je trouve. Et si on tout au-dessus du croc de drogue, t'as rien. Draken, t'es mute. De quoi je suis mute? Ben non. D'accord, donc en fait, depuis tout à l'heure, je parle pour rien. D'accord. C'est pas la première fois que t'as ce souci. Mais en fait, je suis pas mute sur le stream. Je parlais sur Discord. Ouais, c'est juste sur Discord, j'ai juste appuyé sur le bouton rendre muet sans faire exprès. Vous m'entendiez avant, de toute façon. On te tendait, oui, avant. Ouais. On échangeait, okay. Juste que ça doit faire peut-être une minute, là. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai le bouton qui est à côté des... c'est le bouton petit 2, là. Du coup, je disais, ouais, au-dessus de Crow de Drop, t'as rien du tout. Attends. Je reviens à la forge. Parce que normalement c'est entre âge de combat et croc de drogue. Et de toute façon t'as eu toutes les compos. Si t'as eu du cristal, de l'écorce ancienne et de l'argent. Alors tu dis que c'est où? Au-dessus de croc de drogue et en dessous de âge de combat. C'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, effectivement, je suis aveugle. Il est là. Bon, ouais, c'est pas. Et c'est la seule arme en cristal. Ouais. C'est dommage. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de Hatgeir en argent, ni en cristal. Je sais pas du coup s'il y a au-dessus du fer. Après peut-être qu'on va... Peut-être qu'il faudra peut-être un autre truc. Hein. Ah ça c'est les armes du loup-garou. Ah oui c'est vrai, maintenant on peut faire des flèches de givre avec l'obsidienne et les glandes gelées. C'est l'obsidienne que je n'ai pas pris sur moi. Obsidienne forge. Enfin, forge métallurgie. C'est pour ça que je l'ai pas pris sur moi. Ah, par contre, on pourrait se faire le casque racine, pour celui qui veut. Parce que ça nous donne plus 15 d'arc, plus 15 en arc. Ah ouais, non, c'est si on a les 3 pièces. C'est vrai. J'ai déjà fait un casque racine. Ouais, mais là, c'est le. En fait, c'est le. Non, j'ai mal lu, c'est le bonus 3-7 en fait. Si t'as le 7 complet et racine, tu fais plus de dégâts à l'arc. Oui, oui, tout à fait. Hop. Et ben, moi, je suis ready. Obsidienne. Ah, il y a la obsidienne. Ah, oui, on peut faire des flèches d'obsidienne aussi, c'est vrai. Obsidienne, flèche empoisonnée. Là j'ai pas rangé les glandes gelées, je sais pas rangé. Cuisine. En cuisine. Yes.
Je vais prendre le repos. Moi. Hop. D'ailleurs, on prend quoi comme flèche là pour le prochain boss? Des flèches de psy, non? Moi, je dirais plutôt flèche de feu. Après, on peut faire, oui, on peut faire, peut tenter avec un petit stack de flèches de psy aussi. Non, je pense que les flèches de psy vont faire beaucoup plus de dégâts que des flèches de feu. Hein. Il y a une sensibilité au feu, c'est pour ça. Ah, ouais, mais la sensibilité elle augmente de combien les dégâts de base? C'est Domer, c'est ça, hein, Domer. Moder. Oui, Moder. Oui, Moder. Moder Valheim. Modération. Alors, le Moder Valheim, il prend 1,5% de dégâts en plus par le feu. Donc, au lieu de faire 22, ça va faire 33. Il est résistant au blunt. Alors, le blunt, je ne sais pas ce que c'est. Ça fait 33 plus 11 de perforant, 44. Plus flèche de psy, ça fait 52. Blunt, c'est les musiques déprimantes du Britannique. Non, blunt, ça veut dire assommage, c'est content. Ah. Et. Ok. Et en plus, il est immunisé aux dégâts d'esprit. Donc, avec nos épées, on va pas faire beaucoup de dégâts. Bien sûr, il est immunisé aux dégâts de froid et aux dégâts stagger, donc sûrement au stun. Hop, bah moi je suis ready. Moi je vais partir avec les flèches de fer et les flèches de feu. Après, je pense qu'on n'a pas assez de bois pour faire les flèches en psy. On n'a plus tout de bois? Oui, on n'a plus de bois. Ah. Il va falloir qu'on rase des forêts. Et qu'on replante surtout, parce que... Faut tout replanter, ouais. Faut d'abord raser, puis on replantera plus tard. Ah bah... Bah oui, mais si on replante pas, ça repousse pas. Ah, oui, en effet. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, viens voir, ta théorie du dépop de bateau est véridique, Jack. Mais il est devant nous, le bateau. Viens voir. Tu le vois pas en lévitation, toi? Ah, moi je le vois aussi. Et je le vois. Hop. Ah bah oui, non. Oui, en effet, ouais. Ok, d'accord. Il était... Mais enfin, j'ai vu pire, alors je suis pas étonné. Hein. Moi je l'ai vu carrément essayer de naviguer au-dessus de part. Alors. Il était bien bloqué. Avant de se scroucher, par contre. Ça aurait été marrant avec le Drakkar. Bah, le Drakkar, il s'envole pas, lui. Après, il est bien coincé, hein, lui. Bon. Ah, il y en a un deuxième Drakkar, d'ailleurs. Oui. Ah oui, vous avez fait deux Drakkar, c'est vrai. Dommage qu'on peut pas changer les voiles. Ouais, ça va, par contre. Ça aurait été cool. Bah, moi, je vais prendre le TP. Prendre les œufs de dragon. Un par... tu pourras pas... C'est... Oui, un par personne, ouais, je pense. Un œuf, c'est... Voilà. J'en ai un sur moi. Quoique... Je peux en prendre deux. Bah, les uns pour Wad ou Imra. Ouais. Bah, de toute façon, il faudra les passer à celui qui doit invoquer. L'invocation, c'est une seule personne. Non, pas là. Ah ouais? Bah non, faut les... Bon, je vous attends devant le portail, j'ai les deux œufs. D'accord. Sont où les œufs, sinon? C'est moi qui les ai. Il est où le coffrage? Non mais c'est moi, j'ai pris les deux. Oui, non mais c'est juste pour ça, oui ça. À la banque, à côté du coffre loot. Ok. Ouais, parce que c'est comme pour le prochain boss, c'est... C'est une invocation type je place des clés. Hop. T'avais synchro la map, Wed? Non, pas du tout. Ah, c'est pour ça que t'as pas l'icône du boss alors. J'ai zappé. Non. Voilà, il a posé l'œuf, il se fait attaquer. Non, c'est juste. J'ai pris le portail. J'ai lâché l'œuf par terre, sauf qu'il a glissé. Il est où? Bah, je l'ai repris, mais du coup, en le reprenant, j'ai retraversé le portail. La rune Alire est à tes pieds. Je reviens. Voilà. Hop. Imagine que si c'est un dragon, il va voler. Oui. Alors, Wed, ouais, tu es là. Wed, ouais, attention, réception.
Waouh. Non mais on fait pas un foot avec les œufs dragons, attends, il y a de la vie à l'intérieur. Vas-y, passe-la-moi. Ça, on n'en sait rien, ils sont peut-être, c'est comme pour les poules, ils sont peut-être pas fécondés. Je vais marquer, je vais marquer, but. Bon. T'as lu la pierre unique? Ouais. Bah, il est juste marqué ce qu'il faut faire. C'est beau quand même. Et maintenant, plus rond, bien sûr. Et là, on a oublié quelque chose. Nimra, il avait pas régène. Ouais. Ah. T'inquiète. Où est-il? Mordor enraged. Il est enraged. Oh, il est beau. Il est où? Ouais, en gros, c'est le dragon de Minecraft, quoi. J'avoue. Bah non, il est pas noir. Oui, oula, ça lag. Ouais, ça lag un peu. Aïe. Wow! Ah, je suppose que ça fait mal. Ouais, il est Ok. Ah oui, d'accord. Il est derrière les glaçons. Ah, je suis tombé dans le trou. C'est Saphiron. Je suis tombé dans le trou. Onyx, c'est à mes retours. Maligos. Ouais, c'est clairement, c'est Strat, Saphiron, Naxxramas, wow. C'est Onyxia. Elle est sympa la musique. Maligos, le retour là. Allez. Aïe, il m'a gelé sur place. Oui, et attention parce que quand il vous tape avec le souffle de glace, aïe, vous perdez des potions. Pourquoi je tank? On perdait quoi? Si tu perds ton système de potion, tu peux perdre ton effet de potion. Ah, le buff. Oui, le buff, ouais, voilà. Non, c'est pas un buff, c'est un dragon. Non, oui. Mais JPP. Il a des cornes. Mais c'est pas un dragon, c'est un drake. Vu quand il se tient. C'est une vouivre. Aïe, et du coup... En plus, vu comment il se tient, c'est une vouivre. C'est une vouivre. Moi, je me cache derrière la famille Roger. Il me fait penser... comment il s'appelle Sindragosa. C'est Sindragosa. Pour moi, c'est clairement Saphiron. Hein. Oui, Sindragosa, Saphiron... Ah non, mais en strat, la strat, c'est Saphiron, c'est clairement Saphiron. Je me souviens plus. Il me fait mal. Par contre, c'est magnifique. Je vois pas les dégâts passer en fait quand il vole. Par contre, faut m'expliquer pourquoi le ciel est rouge. Parce que on est dans le désert. Ah la vache, les dégâts ils mettent du temps à s'afficher. Hein. Poussez-vous les glaçons. Ne vous inquiétez pas. C'est bien. Voilà, le robot, il est descendu. Il est sur moi. Y'a pas de soucis pour l'instant. Arrête de crier, tu fais pas peur. Et on lui a même pas fait un quart, quoi. Après ça va, il fait pas trop de dégâts non plus. Non, bah disons que ses dégâts sont facilement esquivables. Oui, il est basé sur une wyverne de base, donc pas de soucis. Et là il se met en mode Super Saiyan P2. Il m'a abandonné. Ah, il était sur Jack et... Si elle garde quelqu'un, il vaut mieux se cacher. Oh, il m'a refroidi. Complètement givré. Hein. Oh merde. En vrai, mais non, on revient, on a pas fini de jouer. Corps à corps, il prend quand même des dégâts. Hein. Non, Roger. Je crois que là, Roger, il a pris cher. Roger. Non. Il est au sol, sur Jack. Après le cri, il va falloir que t'esquives sur la gauche ou la droite. Ah bah non, il est sur Drake. Ce serait cool qu'on puisse choper des griffes. Une griffe de moderne. Je sais pas ce qu'il va nous donner, en vrai, est-ce qu'il va nous donner un truc pour survivre dans les plaines? Oui. Je glisse! Eh, il est mid-life, hein. Mid-life, ouais. Bon, ça prend un peu de temps, mais il est pas compliqué. En tout cas, à 4, ça va. Bah, ouais, je pense que si on est moins, c'est un peu plus chiant, parce que du coup, c'est les mêmes qui font l'aggro et c'est un peu plus relou.
Alors que là, ça, ça passe le tour. Aïeux. Même s'il y en a un qui est occupé, les autres peuvent taper, quoi. On fait pas de grosse AOE, un peu chiant. Alors on lui fait plus de dégâts à l'épée. Hein. Avec le coupant. Okay. Ouais, ouais, je... Il se renvole. Reviens, Léon! Et même à la maison! Je me demande si, ouais, avec le, si le, l'arc de drogue avec le poison lui ferait pas plus de dégâts. Tiens. Si, si, on aurait fait plus de dégâts avec le, l'arc supérieur. Ah oui, y'a pas tout. Cet arc est obsolète à côté. Hein. Ah oui, il fait carrément beaucoup de dégâts au corps à corps. Ouais, mais tu prends aussi des dégâts. Souffle! Ouais, ouais, mais ça va encore. Il y a des petites flèches dans le derrière, comme ça, hein. Waouh. Il a le faux cul. Ah, ah non. Il est mort, quand même. On n'a plus les buffs, par contre. En vrai, quand il se renvole, on se regroupe et je mets les tirs. Hein. Bah, on est sur la stèle avec Jack. Si jamais. Il n'y a pas... Je me barre. Draken, va-t'en. Ouais. Enfin, va-t'en, recule, recule, recule. Ok, je m'en vais, ça y est, c'est tout. C'est tout, c'est tout. T'es mort? Oui. Oh non. Il m'a eu par derrière. On aura une récompense en moins. Ouais. Non, mais non, je reviens. Bah... Ouais, bah, fais au mieux. Je reviens. Il crache. Je suis mort. Il m'a eu par derrière, en plus. Il m'a craché dessus. Après, t'as cherché, t'étais au caca. Oui, 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 ça c'est sûr et certain. Mais on lui fait plus de dégâts au caca. Attendez-moi, le tuez pas tout de suite. Bah, on fait ce qu'on peut. Attendez-moi. Il faut que je brise les cristaux, il me gêne. Pioche. Oh, les flèches de feu, ça marche bien. Attendez. Le tue pas, le tue pas, le tue pas. Je vais l'attaquer. Il reste. C'est bon. Une dizaine de flèches, je dirais. Oh, c'est bon, vas-y, vous pouvez DPS. Je suis mort! T'es là? Je suis revenu, je suis mort. Sérieux, t'es remort? Bah ouais, il m'a fait son souffle de glace. DPS, la tête de mort. Du coup, je reviens. Ouais, je... mais là, il est au-dessus de toi, quoi. Bon, il veut plus se poser, du coup. Non, là, il reste en vol. Ah, cool. Il me touche même pas avec ses cristaux. Apprends à viser, Modor. Modor. Allez. J'ai ma potion. Full stamina. C'est pas... Il va mourir, hein. Ouais, oui. Là, il a deux flèches et il est mort. Je reviens. Bah, arrêtez de tirer. Attendez. Il est sur moi de façon. À la limite. Je sais pas si vous pouvez mettre une flèche de feu ou quoi, parce que là c'est fini. J'ai plus de stamina. Vas-y, tue-le. C'est bon. T'as récupéré ton cadavre? Non, pas encore. Mon cadavre il est où? Le cadavre il est là. Bah, il est parti où? Il s'est posé en dessous. C'est bon, attendez, je vais mettre la flèche comme ça, au moins. Il est mort. Bah, c'est bon. Il est mouru. Moder in tears. En larmes, oh bébou. Nouveau c'était matériau, l'arme de dragon. Ah, on va pouvoir faire les tâches de l'artisanat. Ah, cool. Attendez, parce que. Moi, j'ai eu un trophée de Moder et 9 larmes. Il y a des choses en bas, Draken? Bah, non. En fait, je voulais récupérer mon trophée, mais. Il y a un trophée. Oui, c'est un trophée, oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que tout le monde a eu la larme? Non. Bah, non. Vas-y, on va se faire dépasser. Faut jouer au foot avec les compos. On va se faire dépasser. Mais l'alarme, normalement, il y en a une par personne. Oui, mais quelqu'un a dû la récupérer. T'en as eu combien J'en ai eu qu'une. Moi, j'en ai eu une. J'en ai eu 9. 9 larmes? Ouais. Ah, bah vas-y. Oh, bah ça va, tranquille. Viens, Draken, viens en face de moi. Hop, c'est bon. Je vais balancer une larme. C'est bon. Il manque que le trophée. Ouais. Faut se balancer. Hop.
Trophée de modèle, il est où? Il est là. Une tête, c'est la tête de Saphiron. Elle est belle, hein. Ouais. Hop là. Il m'aura... Oh voilà, GG à tous. Voilà. Et hop, du coup, ça, cadeau. Bah let's go. Déjà, enlever les cadavres. Voilà, hop. Et du coup, bah en plus, on le voit là-bas, le... Tu vois, Wed, le truc là-bas. Tu vois, là, je sais pas si... T'es où? T'es là. Tu vois la main là-bas, ouais, qui sort, bah, c'est le spawn, ouais, du prochain boss. Ok. Et juste à côté... J'avais vu sur la photo. Ouais, juste à côté, il y a les... Si on s'avance encore, on voit les feux des copains gobelins. Qui sont... Bah du coup, en théorie, on est censé y aller après. Là, on va mettre le trophée pour voir le pouvoir. Ouais. On va faire ça. Vous pouvez tous remonter, s'il vous plaît. Il va y avoir un petit accident, sinon. Quel accident? Non, on peut pas le bouger, Jack. Si. Non, mais il est bloqué par l'autre. Oui, il y a un caillou. Il y a un caillou surtout devant. On va le lancer au gobelin. Eh oui, on va le lancer sur le campement gobelin. Tenez, prenez ça. Ah. Avalanche. Il passe pas. Non, non, ah, Ken. Non. C'est bon, c'est bon. Ah, mais non, il va être bloqué, il va être bloqué. Quoi? Il va être bloqué. Je peux pas faire l'obsidienne. Hache de fer. Pioche de fer, ouais. Il roule bouboule. Merde, je suis dans le mauvais sens. On arrive. Vous allez toucher du bois. Ah bah Imra... Attention, y'a le suivant, bougez. Allez, nouveau jeu, évite les troncs. Personne est mort, c'est bon. Les troncs apostrophe ou... Oh... Oh les pauvres Lox. Et... Je crois qu'il y en a un qui a touché un Lox. Et là tu vois le Lox qui vous fonce dessus. Imagine. Bien regarde. Le Lox boucle ça. Tiens, prenez ça. Bon, les œufs ont été consommés, hein. Ouais, évidemment. Normal. Ça prend de la place, c'est bien. C'est lourd, ces conneries. Bon, ben, hack. Bon, bah, GG all, hein. Yes. Ouais, GG. Allez, bon, prochain boss, maintenant, ça y est, allez. Non, là, on va, on peut aller au spawn, poser la tête, et, bah, écoutez, on peut continuer sur du donjon montagne. Oui, déjà on va voir ce qu'il nous donne comme pouvoir. Le... Oh, il y a plein de pierres là. Oui, bah oui, il a tout pété le dragon. Oui. C'est un peu violent les projectiles qu'il a envoyés. Mmh. Hop, le bougre. Il était magnifique en tout cas. Ouais, vraiment stylé. La musique toujours aussi bien d'ailleurs. Par contre, je crois que pour le prochain boss, il va falloir qu'on farme les dracs. Parce qu'il est sensible, je crois, aux flèches de givre. Mais avant ça, allons mettre le trophée. Bon, après, ça va, le boss était facile. Oui. Je suis mort trois fois, mais il était facile. Bon, par contre, vu la lenteur de ses points de vie, je pense que le prochain boss, il faut améliorer les armées. Ah oui, oui, ouais. Je pense aussi. Bah déjà, pour savoir l'emplacement du prochain boss, normalement, on aurait dû se balader dans les plaines, et c'était sur les minires où il y a les trésors, en fait, et il y aurait eu une pierre juste à côté. Ah ouais, même pas dans les campements gobelins? Ah, même pas, apparemment c'était juste des genres de dolmens, et il y avait la pierre qui était à côté. Vraiment tête de gobelin. Ouais, masse de... Du coup, on t'attend, Jack, pour... J'arrive. Vous avez toujours des larmes sur vous? Non. Oui. J'en veux bien deux. Je donne deux que j'ai. Merci. Ah, et alors, quand vous me les pointez du... Les pointez... Allez. Ne tâche pas tes larmes. Allez. Voilà. Allez. Mais attendez. Alouette. Alors, le vent vient toujours de l'arrière lorsque vous naviguez. Oh oh. C'est pas mal ça quand on se déplace en bateau. Oh. Ah ouais. Donc en gros c'est dire qu'on a toujours full vitesse en bateau. Yes. Alors, attends, c'est le vent vient toujours mais c'est quand il y a du vent. Non non, je pense que là c'est tout le temps le vent. T'es sûr? Oh mais attends. Il donne du texte? Oui, il donne du texte, c'est ce que j'allais dire. Je savais pas ça.
quand on est un peu loin, il parle comme là. Ektir, il disait voici ma faucheuse. Ouais, il parle entre eux. Une de ses ailes noires venue de la montagne. Pourquoi ses ailes noires? Il avait pas les ailes noires? Si. Et du coup, le prochain boss qui dit. Ouais. Et il y aura d'autres pierres ici plus tard. Il y a bien longtemps, il portait couronne sous un ciel rouge sang. Il n'est plus que l'ombre de la personne, mais son esprit. Boogie les rancuniers. Hein, de bon grand. Bon, du coup, avec les larmes de cristal, on peut faire quoi? Ah, ben on va avoir une troisième table de craft. Donc on va à l'étage de l'artisanat. Cool. J'espère qu'on va pouvoir faire des trucs. Pas mal, là. Ah, ça manque de toi, hein, ça manque de toi. Mais oui, mais. C'est un observatoire pour l'instant. Oh! Oh, j'aime! Et je la mets. Pour l'instant, je la mets là. Et on, voilà. Oh! Ah oui! Oh, ça. Oh, ça fait un peu steampunk. Oh oui! C'est moi où je viens de voir au fourneau, char. Alors, on va pouvoir faire désormais un moulin. Une roue. Je sais pas à quoi ça sert par contre. Un four en haut fourneau. Le haut fourneau, c'est. Ok. La roue. Oh, la roue, ce serait peut-être pas pour des trucs à tisser. Le four en pierre. Oh putain, il va falloir agrandir cuisine et métallurgie parce qu'il y a four en pierre. Il y a quatre trucs. Il y a four en pierre, il y a haut fourneau, moulin et roue. On construit tout maintenant? Alors en pierre. Alors attends. Ou alors c'est remplacer. Je comprends pas. Est-ce que c'est remplacer le four à charbon par four en pierre ou est-ce que c'est encore autre chose? Ah non, ça se complète, je pense. C'est deux fonctions différentes. Ouais, c'est non, oui, c'est ça. C'est deux fonctions différentes en effet. Four en pierre. Non, faut poser et on verra. Hein. Moi, je vais aller chercher les compos pour faire la roue. Le four en pierre, je peux le faire. J'ai déjà la pierre. Hein. Chercher le bois précieux. Bah. Alors attends, toi tu prends part sur le four en pierre. Draken la roue. Le haut fourneau, il faut 20 bois précieux, 10 fer. J'en ai. 20 bois précieux, c'est bon. Et moulin, 30 clous en fer, un bois et de la pierre. J'ai je vois pas votre four en pierre. Ah si, c'est bon, j'ai rien dit. C'est bon. Alors attends, tiens, je te donne 20 de stack de bois précieux. Imagine, c'est un four pour faire à manger dedans. C'est un four à pizza. Oula, mince. J'espère. De nouvelles recettes. Non, ça a l'air d'être une amélioration. Juste une amélioration. On va pouvoir fondre avec ça le machin, là, le minerai. Le sombre acier. Sûrement. Qu'on a chopé. Ah, il y a un sanglier dehors. Salut, toi. Oui, ah, bah oui, encore. T'inquiète, je vais lui faire un petit câlin. Moi, je vais lui faire un petit câlin déjà. Il a des petits cœurs. Par contre, il essaie de vous suivre et d'escalader la falaise. Ah, mais he's ok. Coup de cuir, comment faire? Allez, monte. Je t'aide à monter. Bah, il redescend. Bon, bah, attends, bah. Ouais, tu le. Hein. Je vais faire des coups en fer. Mince. Ah, mais oui, j'ai pas mis la queue. Je réfléchis. On a beaucoup de trucs à mettre là, c'est le problème. Pour l'instant, je pose un truc en plein milieu, mais ça sera déplacé, hein, d'accord? Oui, je pense qu'on va tout déplacer aussi. Je vais mettre. Attention, on va mettre genre. Il me rajoute des poil. Trucs côte à côte. Vas-y. Donc, ça, c'est le haut fourneau. Ah, oh oui, la taille du truc! Donc okay. Il pourrait rentrer, d'accord, ok. Mais pas, il est pas si large, il est haut mais il est pas là. Attendez. Et ça fonctionne comment? C'est juste une amélioration? C'est quoi ça? Ah mais attendez, du coup là on a mis. Je vois pas d'entrée. On a perdu tout le charbon qu'on a mis dans les autres. Il y a du charbon dans les coffres. Ah. Derrière y a rien. Y a aucune entrée, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas du tout. Essayez de voir en mettant le. Ah peut-être qu'il faut plus. Attendez. Peut-être avec l'autre truc lié là. Si, derrière il y a les entrées. Il y a les deux entrées derrière. Oh. Alors, oui. Il veut. Oh. Ah, donc c'est, donc dans celui de droite c'est pour transformer et dans celui de gauche c'est du charbon. Attendez. D'accord.
Mais on peut n'importe quel minerai, du coup. Je sais pas. Autant tenter. Mais peut-être que ça remplace littéralement le fonderie. Attends, je vais remettre. Ça doit être beaucoup plus rapide, je pense. Ouais, sûrement. Voilà. Je sais pas par où ça sort, par contre, je vois pas la sortie. J'ai mis 15 charbons. On va tenter là, avec. Ça sort par ici, là, sur ce côté. Attends, on va tenter. Ah oui, tu vas tenter le sombrassier ? Ouais. Je vais prendre 2 de sombrassier. Donc en gros, ah oui, l'arrière. J'ai vu la sortie ici. Ouais. Alors, donc sombrassier. Donc je peux faire le sombrassier. Wow. Donc animation. Ça fait le sombrassier. C'est lumineux. Et par contre, ça va sortir sur la droite. Ouais. Là, par ici. Sur son côté. C'est bien fait. Ouais. Mmh. Mais du coup, il va falloir, je pense, revoir la métallurgie. En vrai, là, comme ça, j'ai juste envie d'enlever un ancien. Oui, on enlève un des deux, on met celui-là. On enlève un des deux, ouais. Alors du coup, ça me paraît plus logique. De toute façon, on aura plus beaucoup d'anciens minerais, donc Il faut jouer au foot avec le nouveau minerai. Ouais, on a beaucoup de trucs, hein. Ah ouais. Bouclier en sombrassier, écu de sombrassier. On se met à la queue le. Pot et casserole. On va pouvoir faire des pots et casseroles. Amélioration cuisine, ouais. Ça c'est cool. Ça, c'est qui l'a pas eu? Moi. Alors du coup oui. Voilà. La roue, je la mets où? Je la mets là-bas ou... La roue, mais là devant encore, là, parce que roue et moulin, ça c'est côté jardin. Donc du coup, je mets la roue là. Alors attendez, je vais casser. Moi j'ai ça à mettre aussi, regarde Jake. Qu'est-ce que c'est, quoi la roue? Ah oui. Roue nécessite. Pire l'objet. Oh, nécessite. Ah, il a pas tenu. Mais oui, je sais pas où il se met. Attends. Alors pour la roue, il faut un toit. Voilà. Oula. Et c'est pour faire du lin. Four à pierre, cuire l'objet. Ah, donc la roue, ce sera peu, c'est littéralement pour les plaines. Oh, attendez. Vous ne pouvez pas utiliser pierre sur. Il n'y a rien à cuire. Est-ce que ce serait pas pour cuire de la bouffe? Je crois que c'est simplement pour cuire à la place des trucs sur le feu. Oh, c'est un méga four efficace, ouais, c'est à la place des crochets. Hein. Mm. Vous avez pris de la manger ou pas? On n'a pas pris, non, on peut tester. Hein. Ouais. Attends, je prends. Par contre, t'as du bois, faut mettre du bois dedans. J'ai du bois, ouais. Alors attends. En fait, faut mettre le bois en bas et la bouffe en haut. Alors, ajouter du bois. Il me dit je n'ai rien à cuire. Et je ne peux pas cuire la viande de sanglier. Donc ça cuit pas la viande crue. Et ça ne cuit pas la pierre. Vous avez mis quoi là pour le moment? J'ai testé avec la viande de sanglier. Je vais tester avec la viande de loup pour voir. Non, ça fait rien du tout. J'ai mis du bois, ça fait rien. J'ai testé avec la viande de loup aussi. C'est pour faire du pain. C'est sur Google? Ouais, je suis allé voir du coup. Oh, ah oui, c'est vrai que c'est plus logique. Entre autres aliments, hein. Mais c'est pour faire des plats avancés, quoi. Et moi, pour la roue, il faut un toit et il faut du lin, en fait. C'est pour tisser du lin. Pour la roue, donc. Du coup, ça, c'est un truc de cuisine, je vais le déplacer. Alors, mets-le ici, là. Attendez, je vous mets la roue, comme ça, tout le monde peut voir. Donc, par contre, pour le sombrassier. Ici, c'est par ici. À l'angle là. Ouais. Ouais, on sait pas cet angle. On va faire dans l'autre sens? Dans le sens comme ça là. Ah, tu es droit comme ça? Ouais. Et du coup là, il y a le. Là en plein milieu? Parce que là en fait. Non, plutôt en longueur comme ça. Tac. Et ça, on laisse là. Et là, tu mets le four, voilà. Ouais. Parce qu'on est d'accord qu'il n'y a qu'une entrée, qu'une sortie pour le four. Hein. Ouais, c'est en bas, tu mets le bois, et en haut, tu mets la bouffe. Par contre, il faudra faire un petit trou pour la fumée, non? Ou ça passe? Non, t'inquiète, ça passe. Ok. Et du coup, la roue, elle est là. Et par contre, il faut trouver du lin. Mais ça sera en plaine, hein, je pense. Le lin, c'est, ouais, c'est dans les plaines, ouais. Le lin. Et du coup, par contre, il faudra obligatoirement... J'arrête avec ça, je vais les enlever. Il faut obligatoirement un toit.
Hop. Alors voyons voir. Oula, attendez, au fourneau, ah oui. Alors attends. On va y aller étape par étape, parce que là on va s'embrouiller. Ah, il faut du sombre acier, c'est les pots et casseroles qui améliorent la cuisine. Ouais. Il manque que... Ça c'est facile, on reste 5 sombres acier, je pense qu'on les a déjà, non? Oui, on les a. 5 sombres acier, on les a? Oui, oui, on en a 14. Mec, j'en ai tué plein des gobelins. On en a 14, et du coup, tu peux déjà les mettre à fond, j'ai mis de charme. Il manque que le bois précieux. Bois précieux, ouais, bah... 10. Faut péter, faut, pour faire quoi? Bah pour améliorer la cuisine, c'est les pots et casseroles. Voilà, du coup je te donne les compos pour la roue, Jake. La roue? Ouais, même si... Je sais pas où la mettre la roue. Ouais mais surtout qu'il faut la mettre sous un toit. Sous un toit. Ouais, c'est obligatoirement pour que ça sous un toit. Et alors attends, avant la roue... Imara, il a besoin de bois précieux pour améliorer la cuisine. Ouais, je vais chercher. Et Jack, oui. Ce sera pour le premier étage de l'artisanat, la roue. Comme ça, oui. Elle sera sous un toit et on la mettra avec le nouveau. Ouais, okay. D'accord, ok. Je pensais à autre chose, mais oui, clairement, oui, ok, ça marche. Oh putain, il reste 15 bois précieux. Imara, tiens. Dankeschön. Alors attendez, donc là, il y a. Le haut fourneau c'est bon, le four en pierre c'est bon. Et après le moulin. Moulin c'est 30 de bois et des clous en fer. Est-ce qu'il y a déjà les clous en fer? Oui, j'en ai fait plein. Tiens Imra, je te mets le bois précieux derrière toi. Bah, je viens de lui donner. J'en ai. Ah bon, bah, je peux prendre dans ce cas. Vas-y. Et clous en fer, je viens d'en faire plein. Ouais, et moi, alors attends, le moulin, 30 de bois. Mais attends, alors, attends, le fantôme du moulin. Ah ouais. Oui, le moulin de... Il est un peu haut, ouais. Mais il est pas très large. Intéressant. Pas de le mettre dehors, peut-être? Non. Non, on peut le mettre ici. Mais le moulin, c'est pour... Attendez, il y a une évasion, là, ou pas, là? Il y a des sangliers... Attends, les casseroles, faut qu'elles soient belles. Il n'est vraiment pas grand, le moulin, ça va, hein. Ouais, j'ai peut-être une idée pour le moulin. Fais attention au sens du bec, il y a juste un bec. Oui. Bah en fait, il faut qu'on ait accès à derrière et devant. Parce qu'il y a le derrière et il y a le bec de sortie. Ouais. On le mettrait pas près de la flotte? Non, on va le mettre. Le moulin, on en a besoin. C'est proche de la cuisine. On va, comme ça fait moins d'aller-venue. Ok. Tu les as mis où les casseroles? Le moulin, ce sera pour faire la farine d'orge en même. Okay. Et ça améliore, mais j'ai l'impression que ça améliore que les chaudrons en fait. Ah oui, du coup, ouais, faut le mettre à côté du four à pain. Il y a besoin. Non, je pense que c'est pas le four à pain. Ok, alors je reviens. On peut enlever la bannière là. Oui, vas-y. Oh, c'est un truc. Oula, son brassier, il va vite. Hein. Alors attends. Ça, c'est... Oui, en effet, le moulin il est. Il est big. Imara, c'est toi qui as les compos pour faire les casseroles, Imara? Ouais, je les pose là. Tiens, son brassier. Oh, elles sont stylées. Et du coup, chaudron level 4, ça nous donne les quoi? Deux là, ouais, les deux sont level 4. Ah non, il y a que celui de gauche. Ah. Et du coup, ça nous donne quoi? Est-ce qu'on a besoin de deux chaudrons en vrai? Non. Pas sûr. Hein. Alors, ça nous donne juste. Celui qui est niveau 3, il sert à rien. Ça nous donne juste une nouvelle potion. Bonne endurance. Et c'est tout. Mais arrêtez de taper! Non, c'est Imra qui brûle. Ah, mais je crois que ça fait des dégâts à la pierre aussi parce que je suis en train de réparer en même temps. Ça nous donne juste une potion en plus. Qui est la potion très revigorante. Ah c'est cool, le four il se ferme et se rouvre automatiquement quand on arrive à côté.
te dis bonjour. le très revigorant, on l'avait déjà. Hein, ça bonne endurance, pardon. Bonne endurance. Puisqu'on doit avoir des plaques bière. Donc fermer l'épée. Et c'est tout. Il y a du combat dehors ou il tape les murs? C'est moi. Ok. Oui, il y a pas grand. Du coup. T'as mis le moulin ou pas, Jay? Non, je coupe du bois, j'ai besoin de bois pour le moulin, mais j'ai peut-être une idée. Par contre, ouais, le son brassier, ils font vite, hein. La vache, le nouveau fourneau. Faudrait tester par contre un ancien minerai, un truc nul. Ouais. Dans le nouveau truc. Ouais, je suis d'accord. Pour voir si on peut enlever le reste. Ouais. Et tout ça, c'était avec les larmes de Modère qu'on a chopé. Les larmes de Modère, ça a donné la nouvelle table d'artisanat. Ah oui, et donc après avec ça... Et avec la nouvelle table d'artisanat, on a eu ces nouveaux trucs. Okay. Et le moulin, je crois qu'il y a besoin des quatre côtés. Hein. C'est sûr? Bah, il y avait quatre trous. Non, c'était... C'était pas deux trous sur les côtés, c'était juste comme ça le moulin. Il y a un Est-ce que tu veux l'info? Il y a un trou à l'arrière et les deux trous sur le côté, c'est juste pour faire joli. Ouais, je veux bien. On ne peut pas faire fondre les anciens minerais dedans, c'est que le son brassier et un nouveau truc plus tard. Ok. Ok. Donc on est obligé d'avoir les deux. Ouais. Bon après ça va juste être embêtant pour l'argent si on veut en farmer encore. Alors le moulin... Non, c'est pas embêtant. Enfin, on aura moins de... T'attendras dans le coffre. On devra attendre le moulin, je l'imagine bien qui est presque en pièce maîtresse du potager, donc... Oui. Peut-être virer les WC qui servent à rien. Oui, les WC, oui, il faut les dégager. Et à la place, mettre le moulin là. On peut le mettre là. Il faut voir la dimension, en fait, surtout. Je vais essayer. Du moulin. Il y a 4 trucs. Ouais. Voilà. Attention, faut reculer. Attends, je pète le haut. Voilà. Oui, on a du bois. Attention, on recule. Attends. Il y a des champignons. Mais non, c'était les champignons de décoration. Ah ! Non, ouais, t'inquiète, il va. Voilà, il repousse. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Oh, il est stylé, c'est pile poil la bonne taille. Exactement. Moulin. Et ouais, donc du coup on peut moulin ajouter par arrière. Ouais, c'est arrière et devant. Ouais. Et zéro transformé. Alors par contre, c'est moi où on dirait que quand on va choper, ça va se stacker. C'est-à-dire ? Ben quand tu vas sur la sortie, il te met zéro transformé. Donc je pense que quand on va, il va tourner genre faire de la farine. Je crois que ça se cumule dedans. Voilà, au lieu de tout vider comme les fourneaux ou autre, il va tout se cumuler dedans, je pense. Peut-être, hein. Ah, j'ai hâte de tester. On va chercher du blé. C'est de l'orge, je crois. Ce sera de la farine d'orge. Je suis pas sûr qu'il y ait du blé. Ah, ouais, enfin, de l'orge, alors. Trop chaud, là. Est-ce qu'on se tenterait pas à faire un serpent des mers? Vu qu'on a le pouvoir de Modère, maintenant. C'est que pour le capitaine, le pouvoir de Modère, c'est... On garde autre chose. Oui, il faut pas... Oui, non, mais bah, je pense que le mieux, ce serait un Modère, un Mazdos. J'ai pris Mazdos. Moi j'ai Mazdos. Bon, moi j'ai déjà un Modère là. J'ai Mazdos aussi. Attends, je vais ranger les minerais, je vais pas envie de les perdre. Les larmes de dragon, il n'y en a besoin que pour la table. Attends, mais c'est pas possible, on en a un loup trop. Non, mais je pense qu'il y en a besoin que pour la table de craft. Hein. On va sûrement en avoir besoin plus tard. Par contre, le son brassier, il n'y a que des boucliers, j'ai pas vu autre chose. Ouais, j'ai vu pareil. Par contre, je vais faire des flèches d'obsidienne, moi. Attends, viens là, ta canne. Oui, hop, voilà. Ah, t'en as... oui, t'en as déjà fait 100. Ah oui, cool. Ok, bon, apparemment, il y a rien. Restait, quoi. Donc, ça va aller dans le loot. Ouais, bah, est-ce merci. Que avec le... Je les donne à qui? Tu peux les garder, si tu veux. Je vais en faire ça, pour... Ça va en bas. Ça va en bas, ça c'est en haut. Ah ouais non, les flèches, c'est... Ouais, la pierre. Comme on va... J'ai récupéré ça. On met le charbon là-dedans.
On met pas de charbon dans le... C'est ici. Ah, c'est ici. Alors, plume... Ah, c'est cool, on a débloqué des trucs. J'en avais pas besoin. On va pouvoir changer de bois pour des beaux cailloux, là. Allez, il est joli, le haut fourneau, ça. Ouais, je trouve qu'avec le... Enfin, même le... La roue... Ah oui, non, mais c'est bon, on n'a pas fait la roue. Tu l'as fait, la roue, Jack ? La roue, oui. Ouais, ouais. Enfin, après, de toute façon, il nous faut du lin, mais... Parce que je trouve que le... ça fait joli, le petit contour bleu, bleuté. La roue est belle aussi, ouais. Ouais, ça fait... Enfin, faut que je récupère 10 bois précieux, encore. J'en ai sur moi 10. Je les donne, attends. J'allais les ranger. Par contre, pour ce bâtiment-là, le toit, ça va être un an. Alors, il va falloir fermer du bois. Il faut absolument qu'il y ait d'abord le toit et après la roue. Tu peux mettre la roue, mais juste pour l'utiliser, il faut un toit. C'était ok, d'accord, c'était la question. Okay. Par contre, on pourrait, pour ce bâtiment-là, peut-être mettre des... Il y a un sens ? Oui, il y a un sens. Oh. Oui, ok, je l'ai. Mettre des poteaux en pierre, genre tu vois, faire une succursale en pierre. De quoi, j'ai pas compris, pardon. Pour le toit ici. Ouais. Peut-être faire des poteaux en pierre au-dessus, non ? Pour faire l'augmentation, non ? Enfin, après, c'est à vous de... On va voir, parce que si tu mets de la pierre sur du bois, ça va s'effondrer. Ah oui, ok. Ça dépend de la solidité. Trop fan du moulin, en plus c'est pas juste un moulin en mode modèle posé quoi, c'est vraiment ça suit le sens du vent, c'est ah, trop c'est bien. Cool, ça. Let's go faire un serpent. Je pose les trucs que j'ai sur moi et j'arrive. Tac. La pierre ne tient pas en haut. Elle tient pas. Ah. Oh tant pis. Du coup, est-ce que je peux me faire le croc de drogue ? L'arc ? Ouais, l'arc, ouais. Tu peux me dire, rappeler les compos, s'il te plaît ? On ira farmer, hein. Ouais. 20 d'argent, 10 d'écorce, 10 de viscosité, 2 pots de serre. C'est la viscosité, d'accord. Ouais. Il faut faire des échafaudages sur les orbes du marais, c'est facile à faire. Hop, écorce, c'est là. Ah, c'est les trucs aux arbres, ouais. Les pustules verts. Ouais. Oui. Ouais, ça se ferme tranquille en vrai. Oui, oui. Faut juste avoir la foi, quoi. Oui, après, est-ce qu'on avait tout fait, toutes les cryptes ou pas ? Il y a des marais où on a juste noté des trucs, il y a des marais qu'on a même pas du tout noté les cryptes. Mais les viscosités, c'est vraiment c'est les boules vertes qu'il y a sur les arbres du marais. Hein ? Ouais, ou les blocs, j'allais dire. Les blobs, c'est pas autre chose. C'est des abominations qui donnaient les viscosités. Non, les blobs aussi, hein, je crois. Pas souvenir. Hein. Parce que les blobs, c'est que de la boue. Oui, voilà, ouais, les blobs, c'est la boue. Ouais. Ah, c'est okay. Oui, c'est ça, c'est les jaunes. Les blobs, c'est la gadoue jaune. Argent. Les viscosités, c'est les trucs verts. Ouais. Hop. Est-ce qu'on est. Bon, moi je prends juste mon arc de drogue. J'adore les casseroles, vraiment, je suis désolé, mais je les aime beaucoup. Arc de drogue, il ressemble à quoi ? Oh, il est stylé l'arc de drogue. Ah, on te voit de loin. Tiens, de loin. Regarde, va-t'en. Oh oui, joli. J'arrive. Très joli. Regarde l'arc de drogue. Il est cool, hein. Mais ça y est, il a un arc shiny, quoi. Mais arrêtez avec vos et je vais même. Mais où l'arc plus... shiny, je le capture. Sur le Master Ball. Gagne-moi. Faut que j'ai un radar à shiny, les gars. En vrai, il est stylé, ouais. Il est stylé, hein. Oh, il est stylé de ouf. Avec les deux crocs et tout. Et je vais même, pour faire le lore, je vais aller prendre des flèches de poison. Deux ? De poison. De poison ? Oui, bah oui. Flèche empoisonnée. Flèche de feu, ça sert à rien de le faire contre le serpent des mers, puisque il est dans l'eau. Il va pas brûler.
Théorie, ça marche moyen, ouais. J'ai testé... Alors par contre... Pourquoi il me dit... Ah oui, d'accord, c'est Obsidian, c'est le... les flèches en dessous, d'accord. Est-ce qu'on peut... Je peux rajouter mon arc sur mon... Le harpon, il servait à quoi déjà? Parce qu'on a un harpon abyssal. On m'a harponné les serpents, non? Tu harponnes le serpent, tu essayes de le traîner sur la terre ferme, et de là, on peut essayer de le taper au corps à corps. Mais même, on d'accord. peut le harponner pour le criblet de flèches, hein, ça se fait aussi, non? Il y avait des choses que j'avais vues sur YouTube, où les gens partaient à deux bateaux, harponner le serpent dans les deux sens, et le serpent, il pouvait plus trop bouger, et là, on avait juste à tirer et se faire plaisir. Oh, la strat. Ah, d'accord, je peux mettre soit l'arc, soit l'épée. C'est un arc à deux... Ah oui, oui, l'arc, c'est... Non, 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 mais je voulais dire sur mon présentoir. Ah. Sur le présentoir, c'est soit l'arc, soit l'épée. Ah bah l'ancien arc, mets-le dans le coffre à stuff, dans le coffre à arc. Ouais, surtout qu'il est pas très beau. Ouais. Du coup, l'arc en fer, il est quand même sympa avec les petites... Je mets tout mon ancien stuff, du coup... Hop. Alors, on remet l'arc de drogue 3. Tout le monde a synchro la map. J'ai fait tout à l'heure, je peux pas refaire. Tac tac tac, j'ai pas resynchro. Je vais resynchro. Casting new. Ah, c'est bon, hop. Et du coup, l'arc, ouais, je vais le mettre. C'est comme ça, si vous voulez l'arc de chasse, level 4. On en a tous un. Level 4 ? Oui. Oui. Ok. Ouais, je vais le mettre dans mon coffre personnel. Voilà. Bah écoutez... Moi je suis prêt. Ouais, hein. On peut aller chasser le serpent si vous voulez. Hein. Ok. Moi qui conduis. Vous prenez des harpons ou pas ? Moi je sais... Non, ça je... Non. Si quelqu'un d'autre le prendra, moi je le prends pas. On a pas craft, je crois. Ah, bon ah non, je crois donc non, on en a pas. On a la chitine, mais les harpons, combien il faut? Harpon. C'est pas ici, c'est là. Alors, ils sont où? Harpon abyssal, 3 bouts de cuir, 8 de précieux, 30 chitine. La chitine, c'est que pour les harpons ou pas? Il y a aussi quelques armes, mais vas-y pour le harpon. De toute façon, on a plein. Hein. J'en faire un, il me faut bout de cuir, et il me faudrait 3 bois précieux. Qu'est-ce que ça fout là, ça? T'as rien à faire là? Hop là. Faut penser à vider les cales des navires, hein. Hein? C'est un truc à perdre des ressources, ça, j'en connais. 8 bois précieux, est-ce que quelqu'un a 8 bois précieux? Ah non, bois précieux, on est à 5. Ah là, c'est un peu la crise. Hein. Ça, c'est bois robuste. Je vois tellement de boulot dans la base. On ne touche pas les boulots de la base. Bon, bah là, attendez. Ça, des boulots. Si vous voyez un boulot, il faudrait le couper. Let's go. Si on traverse la rue, on va en trouver. Ah, il paraît, hein. Il paraît, ouais. C'est une légende urbaine. Alors du coup il faut que je trouve un boulot en espérant qu'il me donne 8 de bois précieux. Des boulots. Là, j'en vois un. Allez. Vous avez pris votre confort? Oui, je pense que je vais le reprendre parce que du coup, comme ça a attendu, bah, voilà. Mais il est ok. Ah, c'est mieux garé ça. Bois précieux, j'en ai que 2. Il me faudra encore 2 boulots. Bah, en vrai, il y a 2 troncs de boulot par terre quoi, depuis bon. 300 jours. Ah non, c'est bon, c'est ouais, mais il faut creuser pour pouvoir les récupérer. Non, ouais, c'est tout, c'est pile poil 8. Et pile poil bit. Donc je vais faire un harpon. Puis
On va voir comment ça vise. Et puis après, j'espère que le serpent il va nous amener avec le harpon. Comme dans les dessins animés de Tom et Jerry. Ou des Looney Tunes. Tac. Ah non. Hop. J'aimerais bien voir à quoi il ressemble. Harpon abyssal. J'ai créé un harpon abyssal. On va le mettre à la place de la hache. Pour le moment, le marteau, on n'en a pas besoin. Tac, tac, tac. Hop. Je mets tout dans le coffre. Là. I am ready. Prenez vos conforts. Je suis à 15 minutes de confort. Bah 5 minutes, c'est 5 minutes hein. Je reviens. Hop. C'est bon, je suis à 20 minutes. Vous avez fermé la porte à clé. J'ai mis l'alarme. Tout le monde a fait pipi avant de partir. Non. Est-ce qu'on s'arrête pas hein? Y a le pipi de la peur à faire. Oula, par contre, il m'aura pas beaucoup de vie. Non, mais c'est pas. Ah, il vient de manger. Ah, vous avez pas vu, vous avez pas vu. Jake, assis-toi sur les tabourets. On va voir. Il y a des tabourets, Jake. On attend Wed. Je récupère de quoi manger sur la route. Un petit sandwich. Le jambon beurre à 10 balles. Tu connais, tu peux acheter dans les gares, ça. Ou dans les aéroports. Les aires d'autoroute. Attendez. Faut réparer le bateau. J'ai des flèches, oui, j'ai des flèches. Attends, t'as lancé le harpon ? Oui, alors le harpon, en fait, on peut le lancer à l'infini. C'est juste, ça fait juste perdre de la durabilité. D'accord. Bien, en gros, attends, si je te le passe, hop. Vous l'avez oh merde. Oui. Super. Tu vois, et en gros, c'est comme un arc. Le harpon. D'accord. Mais c'est un harpon, tu utilises un infini. Enfin, il est infini pour le coup. En fait, oui, c'est infini, mais c'est comme un arc en fait. Genre là, je suis en train de le lancer, d'utiliser. Ah oui, on voit la corde. Après, peut-être que si j'harponne quelque chose, il va peut-être se. Mm. Ah bah donc du coup, attends. Mm. Vaut mieux que je me mette devant. Allez, Bamos. Il est où le serpent? À bâbord. Alors il y en a plusieurs. Babord, on va chercher celui en bas à droite ou l'autre à gauche? À droite il y en a 4. En bas à droite il y en a 4. Oh, on va en bas à droite et puis c'est le chasseur. Ouais, c'est le plus. Ouais, il y en a 2. Ouais. Non, il y en a pas 4, il y en a 2, c'est juste deux ping. Du coup, faut aller toujours tout droit, capitaine. Et à droite. Enfin, faut aller au. Au détroit de Caribessi là. Ouais. Ouais, enfin, quoique, on peut faire un tour. Avec la plaine où il y a les Banta. Et t'as le pouvoir du dragon là? Je l'ai pris. Je l'ai pas activé parce qu'on est bien. Ok. Ouais, c'est toujours. Oui, d'accord. Oui, tu m'étonnes que le Drakkar il va. Oui. C'est beaucoup mieux que le radeau, Jack. Qu'est-ce que j'aurais dit? On fout. Oui, c'est. Avec mon arc. Même le Drakkar. En ramant à la main est plus rapide que le radeau toute voile dehors. Oui. C'est un bateau à moteur là. Mais non, c'est juste qu'on on pédale. On est dans la cale, on pédale. Hop. J'ai jamais vu de serpent. Moi. Ah ouais? Attends, j'ai jamais vu de serpent. Oh, en même temps, en radeau, heureusement, je vais te dire. Hein.
Il y en a déjà mis. Bon, le temps qu'on trouve un serpent, ne me noyez pas, je reviens. Ok. Dommage, je peux pas retourner le bateau. Attends, quand le serpent il va arriver. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va avoir des. Un homme à la mer! Un homme à la mer! Non, normalement, y'a aucun risque. Ouais. Ah. Il faut voir que le de Dracarpet avec des grosses vagues, là ça peut, parce que s'il y a des desync et tout. Normalement. Je peux passer là à travers les trucs? Non, il s'est fermé. Alors attends, tac. Non, tu peux pas. Non, c'est trop compliqué. Faut que tu continues vers le nord vraiment. En fait, on va te voir. Tu continues vers le nord. On va arriver. Je vais passer au niveau du marais triangle. Ouais, on va arriver au marais triangle. On va faire un gros demi-tour. Y a une chance d'avoir un serpent là où c'est pas exploré au niveau du marais triangle. Ouais, mais alors par contre, on va pas passer entre la petite île qu'on était mort la dernière fois. Ce sera trop. Je pense que ça va être trop court. Non, ça devrait aller. Ah, ça passe, je suis un pilote d'exception, je suis passé entre des récifs hier. Enfin, c'est surtout qu'il y aura des sangsues, beaucoup de sangsues. Même pas peur. Non, vu les sangsues et le drakkar, c'est le drakkar qui gagne. Hein. C'est ça. Ouais, mais bon, enfin, vu que là, on va devoir manœuvrer, j'espère qu'on va pas mettre à fond. Bah, vous savez quoi, moi je vais manger des cookies pendant le trajet. Vas-y. Oh, j'ai plus rien à grignoter, ça dégoûte. Après, si j'ai des tablettes de chocolat, en vrai. Ouais. Tac. T'as vu, t'es encore dans le bateau? Ouais, tant mieux. Hop. Tu comptais pas couper au sud? Non, on peut pas. On peut pas passer au sud. Non, c'est trop court, Jack. Mais ça passe. J'ai déjà fait un bateau. Oui. Ah ouais. Oui. Avec le drac. Pas le drakkar. Tu peux pas mourir, Jack. J'enlève la map comme ça, les gens sur le stream. Parce qu'on peut faire un stream tout du long avec la map comme ça. Il est vraiment magnifique le ciel. Hein. Ouais, c'est vrai. En plus, avec l'arbre d'Yggdrasil, les branches, c'est trop cool. Mais c'est bizarre que tu régènes pas, Jake. Ah, moi aussi, je vois les PV faibles. Ouais, je vois, enfin, t'es au 3... 16 PV? Oui, j'ai pas mangé. Ah, d'accord. Mais par contre, que je régène à pas, droite, que pourquoi je récupère pas mes petits PV manquants, je sais pas. Drift. Si tu n'as aucune bouffe active, tu peux pas régène passivement. D'accord. Caillou devant, chef. T'appelles Caillou? Mais Caillou, je les mange. Caillou. Comme des golems. Caillou tapé. Mais du coup, je vais tester avec l'harpon. Avec la cape qui tremblote un peu. Il voit le vent. C'est ça. De façon tout à fait majestueuse. Mais du coup, là, t'as pas encore activé le pouvoir? Non. Tant que j'ai le vent, j'ai pas besoin en fait. Par contre, après, on risque d'être à contre-courant. Allez. Tokyo Drift. Du coup, si je saute, ça. Ah non, c'est bon. T'es risqué péril. Là, je regardais si on. Si l'inertie nous faisait avancer, mais. Ça nous en TP à l'intérieur. Par contre, c'est. Hop. Faut vraiment zoomer parce que sinon, on voit rien du tout avec la voile.
Ah, fond les gaz. À fond les manettes. Tout, 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 tout. À droite. Droite. On peut pêcher en dracar ou pas? Pendant qu'on est en déplacement, je sais pas. Peut-être que toi, bon, il sert à pêcher les poissons aussi en bord de mer, je sais pas. Ah, ah, c'est pas bête, ça. Petit. Ouais, du coup, je... Histoire de sortir des gros thons, là. Il vient tomber dans l'eau. Je vais faire comme... Kate dans Titanic. Et après, tu finis sur le radeau, c'est ça? Sur la planche. Ouais. Je suis... Le buff, ah, il dure que 5 minutes, hein, le buff de speed, là. Ah, donc là, tu l'as activé? Ah oui, là, je suis à contre le courant, j'ai pas le choix. Ah, cool. Et comment, enfin, tu l'as activé et ça te donne une nouvelle icône de sens du vent? En fait, ça met l'icône de que j'ai le vent pile dans le dos, en fait. D'accord. Ah ouais. Au lieu de l'avoir à l'opposé de moi. Et pareil, c'est 16-20 minutes de recharge? Oui, 20 minutes, ouais. 20 minutes. Ah, faut l'utiliser vraiment quand c'est nécessaire. Et ben là, c'est tout droit. Toujours tout droit. Tout droit. Toujours tout droit. Dans 500 mètres, tournez à gauche. Faites demi-tour dès que possible. Il y a un petit arbre mort à gauche. Hein. Et le Drakkar, c'est le dernier bateau qu'on peut avoir ou on en a d'autres? Après. Ouais. Je pense que c'est le dernier. Mm. Moi je veux le Titanic. Hein. C'est fort. Ça serait bien qu'on le voit parce que mon buff il finit dans une minute. On y est bientôt. Je pense que au bout d'une minute on va être bon.
Braconnie twerk. C'est ça. Booty shake. Booty shake. Non, du coup, c'est mieux comme ça. Put your hands up in the air. Bon alors, il est où le serpent là? On te défonce. Il est dans le coin là. Voilà, j'ai fini mes cookies. Oh putain. C'est pas Tortuga à gauche? Bon, rien. Tout au fond. J'ai l'impression que c'est une île, mais je sais pas si c'est de la quitter. Bon alors, il est où là, PPR? Qui c'est qui veut plonger dans l'eau pour la tirer? Non, non, non. Petit. Mauvaise idée. Il fait des gros bisous avec les dents. Comme ça on regarde sous l'eau, on sait où il est. Comme dans Sea of Thieves, quand tu vois sous l'eau, tu vois le mégalodon qui arrive sur toi. Voilà. Et là, il s'est complètement barré et puis on le retrouve pas plus. Il a normalement quelque part. Normalement, il fait un grand cercle. Alors après, sinon, il y a deux points sur la gauche. Si on va full à gauche, il y a encore deux points. Non, justement, on est sur les points de la gauche. Non, il y a deux autres points. Enfin, oui, il oui, y a deux autres points à gauche. Si Imra tourne à gauche. Moi, je vois tout à l'est, les deux autres points. Oui, à l'est, oui. Enfin, oui, enfin, c'est, si tu tournes le bateau à gauche. Oui, non, mais c'est sur la gauche de notre direction. Voilà. Ah. Si tu fais un demi-tour sur la gauche, je pense que tu vas là-bas. Ah, bah non, sur la droite en fait. Ouais, c'est vite, ouais. C'est vite ça, sur la gauche. J'ai un problème de vent. Allez, Michel, tu peux tourner. Ah, en vrai, j'aurais pu y aller franco, hein. Faire comme ça si je veux. Voilà, tout droit, capitaine, tout droit. Petit. Où es-tu? C'est quand on veut les voir qu'on les voit pas. Ah, et ça. Le temps change. C'est juste nuit. Laisse-moi espérer. Ah non. Non, il fait pas que nuit. Non, ouais, c'est ça. C'est bien pour nous préparer. Pour nous mettre de l'ambiance, je pense qu'il va pas. C'est ça. Ouais. En plus, c'est vraiment effrayant les tempêtes en pleine mer. Allez. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille, tu te jettes à l'eau. Tiens, Jake, t'as un gentle. Oui. Tiens. Bon alors, Michel, t'es où là? Bah, c'est bizarre, il est où, Billy? Bilou? Ouais, il est un peu plus à droite. Bilou. Normalement, ouais, là, on est... là, normalement, on est sur les deux autres points. Ouais. En fait, il se dit putain, il y a 4 mecs qui me cherchent, j'ai pas du tout envie de venir. Ah, normalement, le deuxième c'était un rouge, c'était un caillou. Ah, oh, donc il est Léviator Shiny, let's go. Là, t'as s'il en... est toujours Shiny, bien sûr. C'est ouais, d'aller. Il y a des jolies vagues. Hein. Ouais. Heureusement, ça va, on se prend pas de dégâts. Bon alors, Michel, t'es où là? C'est vrai qu'il est plutôt résistant le dracar aux grosses vagues. Ouais, ça bouge pas trop, ça va. Vous vous sentez plus reposé, bah voilà. Maintenant il va apparaître. C'était avec la flotte et tout. Bon. Ah bon, on dit ça va mieux nous là, on le voit pas du tout. On va pouvoir faire un tour. Hein. En fait, il se dit, il est en train de se cacher parce qu'il se dit, putain, il y a 4 mecs dans un dracar. Peut-être ça, il est terrorisé. C'est pas un dracar, c'est une planche de surf. Oh, attends, c'est quoi ça à droite? C'est quoi ça à droite? C'est ça à droite, non? Ouais, y'a rien, c'est juste du sable. Hein. Non, j'ai vu un genre de truc ondulé. Ah non, c'est de la terre. Ah, mais il fait pas nuit? Non. C'est juste la météo capricieuse.
Il aura plus de harpons avant de voir le serpent. J'ai même pas 5% qui sont partis. Enfin, j'ai juste peur, c'est que je lance le harpon. Si je harponne, le harpon, il sert plus après. Ouais, je pense que tu peux faire un demi-tour. Hein. Bah, je viens de faire une boucle là, hein. Je vais essayer de redescendre vers la gauche. Non, le problème c'est que j'aurai pas le vent là. Ça fait quand on en veut qu'il n'y en a plus quoi, incroyable. Capitaine, ça fait des jours qu'on est en mer. On trouve rien, on peut rentrer. Capitaine, j'ai faim. On peut manger l'un de nous. Le plus dodu. Capitaine, je m'ennuie. Alors on peut pas manger le capitaine. Je vote pour. Faut manger le capitaine. Capitaine, allô, allez, à la douche, capitaine. Moi je dis, on a un. On a un faux marin qui a le mal de mer et peur des serpents. C'est peut-être pas le plus dodu, mais on peut le manger en premier. Ah là, tu t'éloignes là, ouais, de. Imra. Bah, je cherche, hein. De toute façon, ils sont pas là où on était donc. Essaye d'aller à droite. Il va y avoir une rotation. Hein. Ah, on se reprend la tempête. Ouais. Ça se trouve, dans les zones de tempête, il y a forcément un léviator. Bah, ça me paraît être plus logique. Ah bon, on n'est plus tempête. On est passé à la limite tempête. C'est là, un peu plus à droite, non? Parce que là, on va vers. Si je vais tout droit, on va se taper la terre. C'est une prairie devant. On va vers l'île là. Terre on en vue, capitaine. J'arrive pas à voir si c'est une plaine ou une prairie, mais je crois que c'est une prairie. Non, c'est une forêt noire. Car l'un ni l'autre. Non, c'est de la prairie. Tourne à droite. T'inquiète pas, il drift le capitaine. Ah ouais. Marin de génération en génération. Waouh, tous les cercles là-bas. Legolas, que vous de d'elle. Les champignons font une traînée verte quand on les tire. T'as 2-3 cailloux par ici quand même. Ah, droite, calme, hein. Ouais. Va fou la gauche du coup là. C'est fou ça. Allez, là. Allez, on va jusqu'au bord de la terre. Allez, c'est parti. Allez, on va les trouver là. Comme ça, on verra si elle est plate ou si elle est ronde. Ouais. Au pire, on tombe, hein. Alors, un game over. Enfin, bah, de mémoire, je crois que ça se finit en cascade énorme. Sur Valheim ? Sur Valheim, oui, oui. Le bord de la terre, c'est une gigantesque cascade qui tombe dans le vide. Pas comme Asgard. Pas au sud et pas au nord. Ah. Au sud, ça sera. Ah, peut-être qu'il y en aura d'autres ailleurs sur la map, mais au sud, c'est un biome. Après l'état brumeuse et au nord, ça sera le tout dernier biome. Mais il est possible de retrouver par la suite ces biomes ailleurs. Ah. Oui, non, mais oui. Le fait que le bord de map soit une cascade, ça change pas s'il y a des biomes ou pas ou des îles sur la route. Non, mais pas, enfin, oui. Sur la gauche-droite, sûrement que c'est de la cascade, mais au nord et au sud, ça sera. Normalement, il y a des biomes fixes. Ouais, mais vraiment, non, c'est la limite, même que ce soit un biome ou pas. Hein. La limite. On te parle de la limite du monde, pas de. La limite du monde, c'est une cascade. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un biome et qu'il y a. Oui, il y a peut-être un biome entre deux. Oui, quoi. Voilà. Alors, attendez là. Non, c'est de la brume. On est en tempête, au milieu de la mer. Bon signe. Peut-être qu'au milieu de la mer, ça sera plus facile d'en avoir un. Allez, peut-être trop proche des côtes. Ah, bah il y a une montagne au bout. Donc Puis c'est bien, ça fait l'exploration de la carte. Bah c'est ça, hein. Pas perdu, hein. Et là, en fait, dans le fichier de config du serveur, vous avez fait despawn les serpents. Non. Augmentation du spawn de 500%.
Wouah, la vague qui est derrière nous. Wouhou. Énorme. Hein. Ah bah ça a tapé. Là, bah, on est littéralement. T'es vraiment grosse la vague. Là on est juste derrière une vague quoi. T'as vu tous les cailloux au sol? Ouais, c'est la terre. C'est vrai que l'eau est assez translucide quand même. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'on est, proche de la forêt noire. Et c'est. C'est un peu gobelin à droite, hein. Ouais, c'est un bastion de plaine ça. Ouais, je reconnais, ouais. Petit. Quelqu'un a pris un portail portatif ou pas? Non, pas du tout. Non. Du coup, on va devoir faire le chemin à l'envers. Pas quoi, un nom plus court pour portail portatif. Hein. Oui. Portail type à la limite. Pépé. Bah, les pépés. Les pépés. Portail personnel, ouais, pépé. Portail portatif. Qui c'est qui a pris pépé? Allez, pépé, ça va. Quelqu'un a son pépé? Adjugé. Mais où est-ce que vous avez mis votre pépé? Allez là, spawn, qu'on te voit, qu'on se fasse défoncer, puis après on arrête le stream. Voilà, retempête. Ah, je le sens, c'est maintenant. Le capitaine nous dit qu'il arrive. En fait, il y a juste activé un X-ray. Capitaine, mon capitaine. Une... Je crois que je suis à l'eau. Oui, il y a un énorme lag. Oui. Capitaine, on a perdu quelqu'un. Un homme à la mer. Ouais, il y a eu un énorme lag. Ouais. Ah bah tiens. Ah, si je bouge pas, j'ai stam illimité, donc c'est pas grave. Ouais, on revient te chercher. Ouais, bouge pas, on arrive. Le problème, c'est que là, ça t'a contre-courant, ça t'a un peu relou. Ah non, ça va passer. Ouais. Putain, j'ai pas envie de regarder derrière moi ou en dessous de moi. Oh, imagine, c'est là qui a le cerveau. Franchement, ça serait cool. Il a tellement ça, en fait, peur. Il regarde. J'y vois au loin. Bah, en fait, je sais pas pourquoi il y a eu un freeze immense. Parce que au début, j'ai vu tout le monde partir à l'eau. Et quand le freeze s'est terminé, il y avait que moi à l'eau. Mais t'étais bien assis à récupérer. Non, j'étais pas assis. Non, on était debout. C'est sûr, faut un peu sur la gauche, capitaine. Elle est où l'échelle? Elle est là, l'échelle. Je clique dessus, regarde, c'est sauvetage de qualité. Ouais. Parfait. Allez, mettez vos ceintures, hein. Ouais, c'est ça. Allez. Demi-tour, du coup. Allez, et bon. Ceinture anti-freeze. Du coup, on va partir par là, parce que j'ai pas le vent à tourner. Ah, par là, c'est marais. Ouais, c'est un peu compliqué. Bah là, c'est... De toute façon, on est entre guillemets dans l'inconnu, donc autant se laisser porter par le courant et le vent. Et avoir l'espoir de tomber sur ce que d'habituellement on ne veut pas voir. Vous êtes humide. Ah, mais quand je pense que j'en avais croisé 3 en quart. Mais là, imagine, là, genre, quand tu les croises, en fait, après ils despawnent. Alors faut aller sur la gauche, capitaine, parce que sinon on va rentrer dans les arbres. Easy. On rentre dans 2-3 drogueurs, ça passe. Ouais. Surtout le spectre. Ils font barrière de leur corps. Jake, ferme les yeux. Hein. Ah ouais. Là, ferme les yeux parce que. Ça bouge, hein. C'est surtout que je vais perdre tout mon buff de bouffe en fait. C'est normal ça. Mais moi, je l'ai mis au dernier moment quand on arrive. Ah, il manquait plus que ça quoi. Quand on est arrivé sur le pink serpent, c'est à ce moment-là que j'ai mangé moi. Ouais, bah. Ah, en fait, c'est maintenant. Allez là. Vous avez un petit creux, c'est pas grave. Quoique le serpent il a pas un petit creux lui. Oh mon dieu, il y a une petite tache non explorée. Ouais, bah lui dis pas ça. En vrai ça me fait malade, en vrai ça... Ah, putain. Allez la spawn. On va repasser après, je vais faire demi-tour. Est-ce que les éclairs ils peuvent tomber à côté de nous? Non, ils peuvent pas nous toucher, je crois. Oh. Les éclairs vont tomber dans mon estomac. Mmh.
Oh, c'était magnifique par contre, tous les petits éclairs bleus là-bas. Hein. Ouais, c'est pour ça, ouais, à gauche ils sont. Mais c'est pas Odin ou. Ah non, mais c'est Thor qui se balade en fait. Ah oui, je crois que c'était. Je crois qu'on ouais. a vu Thor. Ouais, ouais c'était Thor qui se baladait. Il prenait un Uber. Ouais, ça, on l'a vu vite fait, mais. Mais je suis bien content de l'avoir vu sur le retour du stream. Ouais, tu l'as vu rapidement, mais. Sur le. Ouais, ouais. Sinon, moi, je l'avais pas vu sur mon écran, donc. Parce que, en plus, enfin, je l'ai, on le voit de loin, t'as une petite boule qui se balade. C'est cool. Bon, après, il nous donne que du charbon, ce méchant. Mais... Non, c'est Odin qui nous donne que du charbon, je crois. Ah, l'oblitérateur, c'est. Non, c'est pas Thor qui nous. C'est Thor, l'oblitérateur. L'oblitérateur, c'est, ah, okay. C'est Thor, ouais. Thor, c'est le dieu de la voûte, hein, le départ. De toute façon, c'est des arnaques. Hein. Essayez de voir si on peut revoir Thor se balader. Ah bah il est au-dessus de nous en fait, il se balade au-dessus de nous avec des avec un traîneau. Ah oui. Où ça? Il est sur un traîneau. Où ça? Attendez. C'est le Père Noël. Ah oui, en effet, oui. Je le vois pas, je le vois pas. Lève, caméra se droite. Non, à gauche de nous, au-dessus. Maintenant il est devant nous. Ah, bah on le voit pas au même endroit. Ah d'accord, bon, je le vois pas. Ouais, mais non, moi je le vois pas du tout en fait. Mais attends, ah oui, bah c'est chacun pour soi. Là. Bah ouais, c'est ça, j'ai dit ah mince, le traîneau. Parce que oui, c'est vrai que ouais. Thor se balade avec des boucs. C'est sur un traîneau qui se balade normalement. Bah là, c'était le cas. Attends. Je crois que j'ai vu une terre à gauche, mais qui a disparu dans la brume aussi. Oui, c'est la terre à gauche qu'on... Il y a trois bancs de sable. C'est l'île. Ah bah là il se balade encore, en fait il, ah oui, en là, fait, je il le se balade, oui, à oui, chaque oui. fois qu'il y a un éclair il se balade. Ah oui je le vois, là on voit bien sur le retour du stream. Ah ouais, ah je le vois là. Incroyable. C'est bête qu'il n'y a pas un mode genre caméra libre pour qu'on puisse enregistrer genre un mode photo où tu te balades. Tu vois à quoi il ressemble. En solo il y a un mode comme ça. Ah cool. Bon par contre, au lieu de balancer des éclairs dans la mer là, donne-nous des serpents. Là il y a un nouvel éclair. Ah non, là je le vois pas. Un nouvel éclair. Là je le vois. Ouais c'est trop proche un cas je pense. Mais j'ai l'impression de le voir tous les deux éclairs. C'est vrai, je vois pas. C'est pas très très rare. En fait, quand on l'aperçoit, il faut qu'il finisse sa course avant de réapparaître. Donc, il peut se passer jusqu'à 3 éclairs durant toute sa course. Et après, il réapparaît dans une autre direction. Il sert à rien. Quoi. Ouais, c'est Thor. Hein. Après, faut pas oublier qu'il fait des paris stupides pour tuer des géants. Ou alors le serpent. Ah, c'est bon! Enfin! Wow! Serpent! Ah oui! Serpent! Ah oui, je dessus, je m'y attendais absolument pas! il a pop! Ah oui! Ah, et, du coup, écrasé, hein. Ah, et du coup, le harpon fait de l'amélioration de pouvoir de la lance. Peut-être pas le ralentir, capitaine. Ah, par contre, regardez, je l'ai release, donc du coup, il nous suit! Donc, quoi qu'il arrive, il nous aurait suivi pendant un temps. Ah, mais du coup, tu vois le. Le harpon. Attends. Normalement, c'est tu l'harponnes une fois, tu le tiens et après on fait comme ah. on peut. Ah bah oui, du coup je ralentisse encore. Ouais, bah il est plus là. Il s'est barré. Ça te fait des cailloux dans l'eau. Et par contre, en fait, quand je l'harponne, on perd de la stamina. Ouais, bah, bougez pas, je lâche la barre. Et du coup,
toi qui a beaucoup de... Ah, oh, Mother, c'est une femelle. Ah bon? Oui, il y avait marqué Mother pleure toujours, même morte, quand il a activé le pouvoir. Ah. Oh, Et du coup, ouais, pour toi, on a sacrifié ses œufs. Pour toi, le Harpon, c'est pas mal. Il est à gauche, ouais, hein, il est là. Hein. Il est là. Harpon, ouais. Oh, mais il a déjà pris cher. C'est un shiny. Oh, j'arrive pas à le choper. Ah, oh ouais, c'est un shiny. C'est un shiny, moi. C'est bon, harponné. Ah, mais du coup, là, ouais. Oula, attends, check. Attends, il est en dessous, Là, du coup, j'ai encore touché. Il est presque mort. On est nouveau autrement. Il nous a lâché. Demi-tour. Ouais, donc en fait. Ah non, il nous a pas lâché. Pour qu'il nous suive, il faut l'harponner en fait. C'est juste que les vagues. Ah, il est mort, je crois. Il est mort. On peut aller récupérer le loot. Vas-y. Il est mort. Ouais, alors là. Demi-tour à gauche. Accrochez-vous. Hein. Oh, bah, je peux aller loot si vous voulez. Hein. On fait pas peur. Hein. Ouais. Tout à l'heure, j'ai été abandonné en pleine mer, c'est bon maintenant. Ah, plus peur. Oui. Trop facile, les serpents de mer. Allô, Blue. Oui, plein de. Je crois qu'il a tout récupéré. Reviens. Ouais. Nage pas trop, hein, sinon tu pourras. Ouais, nage pas trop. Hein. Non, c'est bon, je suis. Alors, ne vole pas non plus, par contre. Arrête le bateau. Bah, il va rien faire. C'est bon. Alors. Ouais, vas-y, okay. Mets-le dans la cale, dans la cale. Ouais. Dans la coffre. Oui. Hop, alors j'ai chopé des écailles et de la viande. Let's go. Et ça a donné des nouvelles compos, je crois. Attends. Bouclier. Viande. Ouais, nouvelle bouclier ophidien. Ah oui, je me souviens de cette viande. Oula, le tabouret. Ouais, accrochez-vous, là ça secoue. Tu vas dire. Ah oui, bon, en plus, on continue l'exploration ou on s'arrête là? Comme vous voulez. Bah, je sais pas, c'est. Je vous vois pas assis, hein. Oula, alors par contre. Je suis sur le mât. En étant sur le tabouret, on est quand même éjecté, hein. Bah oui, faut être assis, vraiment. Non, j'étais assis sur le tabouret. Ah, je te voyais pas assis. J'étais assis sur le tabouret et j'ai failli tomber comme toi. On est sympa, vous voulez qu'on rentre à la casa ou... Bah c'est toi qui décide, il m'aura vu que... Faut pas rester trop tard. Bah ça tenait ah mais c'est le shiny de l'heure qu'au bout de la nuit, hein. Je sais pas, tu nous avais dit pas trop tard. Bah en vrai... Y a toute la zone sud qui n'est pas explorée, on pourra peut-être se faire un deuxième serpent. Oui, moi je... On peut faire tout le tour par le sud. Grand max 23h. Comme ça je peux aller manger quand même. Je vais faire le tour par le sud. Bah là, ouais, tout droit. Tout droit. Tout droit, je pense. Par chance, on en aura un autre. Ouais. Mais alors, du coup, le harponnage, c'est... En fait, ça fait laisser sa tête... au-dessus. Et il nous... Ouais, hors de l'eau pour pouvoir le flécher, ouais, justement. Ouais. Et du coup, attends, ouais, je te la donne. Si tu l'avais ou pas? Parce que vu que ça... La lance... En fait, le harpon, c'est... Alors, pour vous passez les choses en mer, passez par la cale. Hein. Oui. C'est juste que, vu qu'il faut des dégâts, ça fait des dégâts niveau lance, en fait. À droite. Quoi, à droite? Il y en a un, derrière. Oh, oui. Ah, j'ai pas encore équipé le... Il est pas de la même couleur. Imra, t'as pris des... Non, dégâts. J'en régène. Ah. Alors là, je le vois pas trop. On l'a semé tellement vite. Oula. Non, il est sur encore. Ouais, est-ce que je fais demi-tour en fait. Il arrive. Il est juste rouge, je crois. Vas-y, si tu peux essayer de l'harponner. Je l'ai pas eu. Ça me rapprocher, la problématique que j'ai c'est que mon buff il va finir là et je sais pas du tout dans quel sens est le vent. Ah, il est là. Là il est sur notre côté.
Au pire, je rentre dedans, on n'a pas de quoi y prôner devant. Putain. Si, je compte, si tu te mets où je suis, Imra, Wed style. Oh, Je l'ai raté. Faut pas trop tourner. Je l'ai encore raté. Cible trop distante, je l'ai touché mais je pouvais pas le harponner. Mais là, il revient, il revient. Serpent de mer harponné. C'est bon. Yes. Ouf. J'ai plus de. De quoi vous avez pris les dégâts? Non. Non, par contre moi j'ai plus de stamina. Ah, il est désharponné. Oh. Il est mort. Par contre, attends, le bateau il a pris. Ouais, le bateau il a pris cher. Ah ouais? Ah, le bateau, il reste un quart de la vie. Un tiers. Ouais, un tiers à peu près, ouais. Ok, donc on récupère les loot et... Je pense qu'on peut pas... De toute façon, il est vert, hein, ça se voit. On peut rentrer à la maison, je pense. Bon, on se met simplement sur un rebord et ça se répare. Hein. Ouais, ouais. Avant de rentrer, c'est réparé. Ouais, bien sûr, on va réparer. Ils sont où, les loot? Je les vois un peu là-bas. Problème. Encore plus à droite? Ouais. Je les vois pas du tout, moi. Et maintenant, tout droit. Le problème, c'est que je suis à contresens, donc là je suis obligé d'attendre la rame. Hein. Oui, t'inquiète. Pour ramer, ça va plus vite si on se met sur les tabourets ou pas? Ça change rien, je crois. Ah, ok, je vois les loot à droite. Ah, on peut se maintenir là, tiens, je savais pas. Ah, ouais, tu peux te maintenir à la proue? Ouais. Incroyable. Vas-y, encore, et si tu encore, prends un arc, encore. Tu peux tirer depuis la proue? Non. Okay. Ouais, enfin si tu peux, mais tu... Ça te décroche. Ça te décroche, ouais. Hop. Il te manque un truc à droite, un truc à gauche. Et Kai, voilà. C'est tout bon. Hop, quelqu'un a ping pour le serpent? Je le fais. Oula, attention les dégâts. T'as tout récup? Ouais, c'est bon, on peut rentrer. C'est les mêmes items, y'a pas de trophée? Non, c'est les mêmes items, ouais. C'est les mêmes. Du coup, je pense que si tu vas tout à droite, on peut aller sur la terre ferme. Ouais, là on est en plein milieu, c'est que ce soit à gauche ou droite, il y a de la terre. Ouais, c'est à gauche, il y a une terre non explorée. Oh, on va aller là-dedans. Hein. Et à droite, c'est le continent d'où on vient. On voit une petite île. Hein. Voilà. Bah, là, en face, c'est le continent. J'ai du bois sur moi pour la table. Parce qu'il a pris cher. Il a pris pas mal de tempêtes quand même. Hein. Ouais. Plus les deux serpents. Mm-hmm. Bah, en coup de serpent, il s'en est pris que 3, je crois. Ouais. Après, les tempêtes, j'ai pas vu de point de vie descendre. Quand t'entends le bois craquer et que le bateau se prend un plat, t'inquiète pas que le bateau prend des dégâts. Ah ouais? Ok. Ouais. Il y a des cerfs! Alors, est-ce que je peux poser? Non, je pourrais pas poser la table ici, c'est pas assez. Non, c'est la terre, c'est directement. Bonjour les cerfs! Ah, bah, il y a aussi un ingri. La table est posée. C'est réparé. GG. Qualification. Les casse-colles, l'ingri. Bougez pas. Un équipage d'exception. Et voilà. Let's go, capitaine. Cap au sud. Au sud? Non, ouais. Non, pas au sud, toujours tout droit. Bah là, là, ouais, toujours tout droit. Ouais. Là, on est vers le sud. Allez, peut-être qu'on va en croiser d'autres. On va pouvoir se faire quelques écailles. Très bien.
faudra faire cuire un seul morceau pour voir s'il y a des recettes avec le vin. Il y a la viande de serpent cuite, et il y a un gros plat avec la viande de serpent qui est un énorme truc qui nous fait bien du bien en général. D'après les stats. Mais c'est du cru ou du cru qu'il faut? Je sais plus. Juste cru. Il est bizarre le caillou à droite. Problème devant, capitaine. Ouais, j'ai l'impression, moi. La force pue beaucoup, moi. On va tourner un peu, c'est pas grave. Là, j'ai le buff que dans 9 minutes, donc. Au final, vu qu'on prend pas de dégâts en mer, enfin, on prend pas de dégâts des attaques en mer, faudrait qu'on prenne tous le même buff et qu'on se relaie pour avancer. Oui. Tu peux où ? 22h22, c'est joli ça. Magnifique. Terre en vue. Ah, je savais que t'allais pas laisser le petit coin inexploré. Tant pis pour le vent. Je le veux. Ouais, il reste un petit point. Tu l'as eu. Ah, je me sens mieux là. Ouf, j'étais pas bien. Tu te sens comme un homme accompli. Ah, j'aime remplir des trous comme ça. Score. Voilà, on va tout droit. Je suis le vent. Je suis le vent, mais pas je suis le vent. Bon, c'est compliqué quoi. Donc tu n'es pas la terre ou le feu. Je ne suis pas un élément. Dans le secret des pandas volants qui s'appelle Vent, le gars. Ah, apparemment, les stuff on peut les récupérer avec le harpon abyssal. De quoi ? Tu peux ramasser au sol, enfin dans l'eau ? Bah, le pas, ce que je lis, je vois, les écailles de serpent sont droppées par les serpents. Tu les obtiens. Sans le harpon, il est nul. Hein. Tu les obtiens en les tuant. Often by dragging them to shore with a abyssal harpon. Ah ouais, non, d'accord. On en chope plus quand tu les tapes avec le harpon abyssal. Moi, c'est parti. On fait le tour de la map. Bah, terre en vue. On va peut-être pas faire le tour de la map. Ah, et le trophée de serpent, il sert à rien du tout. Comme la plupart des trophées, il y a des trophées dont on a besoin, trophée de loup, trophée de drac, trophée de cerf, mais il y a trophée de squelette, trophée de mangri, pour l'instant ça sert à rien. Et par contre, un truc qu'on peut peut-être faire pour augmenter le confort, c'est exposer les trophées. Ça augmente le confort, les trophées ? Bah apparemment, je vois que tu peux les exposer, justement les trophées, il est marqué sur le wiki qu'on peut les exposer sur les... Sur les trucs qu'on a mis derrière les... Ouais, mais exposer, on va faire un mur de trophées. On peut faire une collection de trophées si vous voulez, mais ouais. Par contre, de là à ce que ça augmente le confort, je pense pas. Quand j'ai mis les présentoirs derrière les sièges ou sur la table, ça n'a pas du tout augmenté le confort. Ah, ok. Bah là, c'est les mêmes présentoirs que là, en fait. Mais ouais, pourquoi pas faire un mur de trophées. Ça pourrait être pas mal. Ça va être rigolo, hein, par contre. J'ai un grand-oncle qui est chasseur. C'est le parrain à ma mère. Chez lui, il y a des têtes de... Je suis très mal à l'aise, je crois. S'il y a vraiment des têtes de sanglier, des têtes de cerf sur les murs. C'est... Ah, c'est... La taxidermie. Ah, ouais. Oui. Ah. Pour ça, la taxidermie dans Arc, j'aime beaucoup, mais sinon, j'aime pas du tout. C'est un fort gobelin à droite là. Non, c'est une maison de sorcière. C'est une maison.
Et je pense qu'on va arriver sur un petit étau. Étau? Et qui t'étau? Étau batterie. Étau batterie. Avant il était tôt et maintenant il était tard. Ouais, droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Full à droite, non, à droite. L'autre droite. Non, mais pourquoi tu vas aller à droite? C'est fermé. Bah non, c'est, tu vas derrière, on peut continuer. Ouais, mais ah j'aurai pas le vent. Pour le moment, il n'y a pas de terre, donc... Oh, il y a une pierre là-bas. Oh, il est joli ce poisson. Ah ouais, c'est vrai, essaye pour voir avec le harpon, peut-être. Pêche. Là, je l'ai pas mis en raccourci. Ah, okay. Aïe, 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 aïe. Sans le harpon, moi, j'aime vraiment pas, je trouve qu'il sert à rien. Mis dans le dans la cale. Okay. Parce qu'à partir du moment où tu le ranges, ça désharponne. Celui qui harponne, il peut pas taper. Harponné, serre. Attention, il y a un caillou en face. C'est bon. Bon bah encore de la forêt noire à droite. Hein. Ouais. Hack. Aïe. Crunchy crunchy. Il a perdu un sixième de sa vie. Et qui descend et qui descend on fait la course, on traverse. Non. On traverse, on fait la course, on se rejoint de l'autre côté. Quel dommage, je suis en train de piloter. Et moi je le fais, hein, je ne dérange pas. Hein. Traverser l'océan? Mais non, regarde. Ah non. Regarde. Je vais crever. Non. PPP. Non. Pire papa. Non mais continuez, allez-y. Hein. Il va. Mais non, j'ai assez. Regarde le stream, Jake. Regarde la carte surtout. Regarde, hop. Quelle chance qu'on va être à contre-courant pour le récupérer surtout. Mais non, mais. Il a trouvé son île. Continuez, faites le tour. Regardez. Faites le tour. On va se calmer, Robinson Crusoe. Regardez. C'est plus Robinson, c'est vendredi là. C'est ce que j'allais dire, il se prend pour vendredi plutôt. Vendredi, mais pas tout est permis. Hein. Regardez, hop. Non, il va tomber sur un biome inconnu avec Ragnaros. Oh, il y a un X bleu shiny. Let's go, je sors la Pokéball. C'est un étoile ça. Viens, je crois qu'il y en a deux même. Cours. Vous auriez pu me récupérer en plein milieu, regardez, il y a faire le tour de l'île. Flemme. Oh, oui. Ouais, j'arrive. Mon but c'était de traverser en diagonale. Et vous me récupérez de l'autre côté. Non, parce que sinon moi je suis embêté avec le vent en fait. Un X 2 étoiles. Tu vois, c'est un 2 étoiles, c'est magnifique. Qui a donné 4 queues de X. Bon, attendez, on va réparer en attendant. Hein. Yes, j'arrive. Hop. Table posée. Et du coup, tiens, je vais réparer le. Bateau réparé. Attends, casse pas la table. Casse pas la table, s'il te plaît. Cochon. Attends, je peux pas, y'a le sanglier qui m'empêche de poser. C'est parti, on va explorer l'île. Hop. Ah bah non, le truc abyssal se répare sur la forge. Oui. Ouais, mais il se crée sur la. Il se crée sur le. Comment? Le. Établi. Sur l'établi. Oh ouais, c'est bon. Il est à poil avec sa ceinture de force. Ouais. Je suis tout nu. Merde. C'est pas très survie, ça. Hein. Arrête de survie à la base. Je mets que mon casque. Il a sa ceinture de force et son casque. Et là, du coup, attends, on le voit le diapason ou pas? Ah non, quand on l'équipe. T'as un bréché, arrêtez avec le diapason. Ouais, baguette de sorcier, y'a
pas. Ça fait du bruit. Beaucoup de lumière surtout. Son et lumière. Ouais. On se croirait à Lyon quoi. Ça c'est un truc que j'aimerais énormément faire, le festival des lumières à Lyon. Ouais, tu te mets deux diodes de LED dans, non, ton... mais non, dans, ton, non, dans ta non, chambre, c'est bon. PC gaming RGB. C'est ça, un petit clavier RGB et puis... C'est fort. Par contre, je sais pas si vous avez, vous avez vous vu... Vous êtes pas ouvert à la culture, messieurs. Non mais je sais pas si vous avez vu justement sur Twitch, il y a un jeune streamer, alors j'ai plus son nom, qui fait des trucs de malade dans sa chambre, de musique, de trucs de jet de flammes et tout. Bon, c'est de la techno hard, mais il y a un setup de stream. Il est juste dans sa petite chambre et il te fait des trucs, mais de malade. C'est... Faut essayer de retrouver le nom. Il a même fait un lance-flamme. Il y a un lance-flamme dans sa chambre. Je ne conseille pas. T'appelles Baptiste ? dire que Baptiste, il a... quand ses parents lui ont dit t'es défoncé, il a dit non, mais il était défoncé. Il était défoncé au Médoc. Puisqu'il n'avait pas dormi depuis 24 heures. Démonia, je t'invoque. Mais, Baptiste, enfin, c'est pas une attaque, c'est une étoile de David. On va voir quel rapport. Les cassos, les mecs, quoi. Il y a un nouvel épisode, d'ailleurs. Bah, je les ai déjà tous vus. Ouais, je suis de moins en moins fan. Ils sont tous dispo sur Canal+. Enfin, si t'as Canal+. Ouais, mais je boycotte Canal, donc j'attends YouTube. Oui. Attends, je regarde les autres épisodes, parce que je me souviens plus. Le premier, c'est passable, on va dire. C'est pas drôle non plus, moi. Les cassos. Il y a deux donjons squelettes côte à côte, à droite. Alors, les cassos, saison 6. Mais là on est sur Valheim, déjà qu'il y a, on a des pertes de FPS. Ouais. Non, mais je ne regarde pas. Pas sur le stream. Non, mais merci. Quand même. Ouais. C'est juste qu'on est sur Valheim, part pas à chercher 50 000 choses qui ne font pas trop de rapport. Non, mais je regardais juste la liste des épisodes si j'ai tous vu. Ah non, je sais pas tous vu, tiens. Ouais, c'est ça, je sais pas. Je m'étais arrêté à l'épisode 8. En fait, il y en a 16. Mais je vais regarder ça tout à l'heure, du coup. Hop. J'ai une question technique. Oui. On est 4 sur un bateau, il n'y a pas de blague. Si quelqu'un se déconnecte à l'instant, mais que bateau continue, où la personne va-t-elle se retrouver? En pleine mer? En pleine mer? Bateau dans son lit. Dans son lit. Non mais c'est sûr et certain, c'est en pleine mer, parce que c'est la position du perso qui est sauvegardée, et pas s'il est assis ou quoi. Vous voulez qu'on teste? Non. Tester, hein. Terre, droit devant. Ouais. Il faut bouger la caméra quand le bateau bouge. Ouais. Ça bouge pas en même temps. Il y a encore quelques cailloux devant, capitaine. Ouais, ça va frôler là, ça va glisser là. Mais non, c'est pas easy. Titanic. Ah oui, ça a commencé easy, comme ça. Easy. Hein. La planche, qu'est-ce qui fait? On peut faire des planches au sous-bois. Est-ce que t'as assez de bois pour faire une planche, ouais? Ou alors on se fait une parenthèse Sea of Thieves et on va chercher des coffres sur des immobilités. On peut aussi... village, il y a un gros village sur la droite. Ouais. Vous voulez l'explorer?
Village voilà. Ningri, bon non, je pense qu'il n'y a rien de spécial. Oh non, c'est un petit village. C'est un village de prairie, hein, il n'y a pas de... Ouais. Tu vas sûrement voir des drogueurs. Non, il n'y a pas de drogueurs, là. Il n'y a même pas de marais. Pas mais il y a des villages... Il n'est pas obligé qu'il y ait des marais, hein, pour les drogueurs. Ah, ouais. Ah, ok. La dernière fois, je me suis fait un village complet de drogueurs. Ouais. Par exemple, le TP village, c'était un village de drogueurs, avec des spawns de drogueurs. Mm. Ah, mais c'était en bordure de marais. Non, il était en pleine prairie. Le TP framboise, je crois qu'il y avait un village de drogueurs. J'en ai pas vu quand j'ai fait le non, TP. Non, TP framboise. Ah non, c'était pas framboise, attends, c'était... Ah non, c'était le... Le tac-tac-tac, le portail... Non, c'était pas la montagne tout en bas à gauche. C'est... En dessous du gros marais, là, c'était le portail village. Oui. Ah ok, bon bah oui. C'est la nuit. Ah oui, et du coup, ouais, quand on tue Modère, je crois que ça fait spawn des choses en plus la nuit. Non, c'est pas moi. Ah non, c'est pas Modère, c'est... Ce sera l'autre. Oui, c'est l'autre, oui. Ça sera oui, lui, oui. Ce sera le boss yaourt, là. Iglus, oui, il y a Glus. Oui, quand on va tuer Iglus, la nuit, il se pourra que des gobelins spawnent. N'importe où, que ce soit en forêt, en montagne ou en plaine. Trop bien. Super. Hein. Du sombrassier en livraison à domicile. Ouais, mais faut tuer le boss déjà, donc. Et Modère et Mazdos, c'était du pipi de chat à côté. Hein. Je pense, parce que vu la tronche du boss, ça doit piquer. Hein. Même pas peur. Déjà, faut qu'on farme les gobelins pour les totems. Hein. Ah bah là, on va s'amuser dans les plaines. Mmh. Hein. Il y a. Moustique. Ouais, les moustiques, faut juste surveiller et les faire à l'arc. Hein, ou les one shot après avancer. Hein. Faut juste pas avancer comme des singes, quoi. Il va falloir rentrer. Imra, il reste que 20 minutes pour Drakan. Ouais. Bah, moi, c'est à la casa. Mmh. Oui. À la casa, moi. Ouais, parce que j'ai pas envie de me reconnecter dans la mer. C'est parti, retour maison. Il y a un nouveau marais. Ça, on aura fait 3 heures de stream. On a fait pas mal. Modère, Mazdos, le donjon de montagne, et les serpents. Et surtout les crafts. Oui, les crafts avec Modère, oui, ça c'est cool. On va pouvoir. Parce que du coup, ouais, le lin c'est dans les plaines, c'est ça ouais. Tout ce qui est lin, farine et tout, c'est dans les plaines. Farine, je sais pas. Enfin, blé ou or. On ramasse, mais le lin c'est dans les plaines. Alors, vache marée, donjon montagne. Ah bon, on a fait tout ce qui était prévu. Ouais. Ouais. Alors du coup, ah oui, il y aura les nouveaux légumes aussi qui vont pousser dans les plaines. Il y a des choses qu'on ne pourra faire pousser que dans les plaines, ouais. Mais du coup, ça... L'orge, c'est... le lin, et le troisième, je sais plus c'est quoi. Ouais, donc du coup, ça, on doit récupérer des graines. Et surtout, il faut faire une base avancée en plaine. Et l'orge et le lin, je pense qu'au niveau des graines, on va en avoir dans les bastions gobelins... dans les coffres et tout, je pense que ça se fout. Oui. J'avais ramassé une plaque bière, je sais plus, j'ai dû le mettre dans le coffre à fleurs. En fait. Oui, il y en a, ouais. Alors, moi, je propose... Plaque bière, coffre à fleurs, ouais. Je propose que notre avant-poste, on le fasse à côté de Yaglu. Vu qu'on a déjà un portail. Ouais, il y a avant. La base, oui, non, ça, mais, enfin, je veux dire, pas du côté de Yaglu, mais... Yaglus ou Yaglut, mais côté, si on voit côté gauche, parce qu'il y a... Une grosse zone qu'on n'a pas découvert. Et vu qu'on a déjà le TP Modère. En vrai, le truc qu'il faudrait, c'est faire de l'exploration de plaine pour voir s'il y a des donjons comme dans les autres biomes, en fait. Ça serait déjà intéressant. Ah oui. Et finir aussi les autres donjons de montagne qu'on a
qu'on avait trouvé. Ouais, ça oui. Pour les, faire ça, les bons campings de montagne, déjà qu'il n'y en a pas énormément, ce serait chouette de les faire. D'ailleurs, ça c'est fait. Bah les deux, attends, il n'y en avait pas un autre quelque part. Je crois qu'il y en a deux au TP Framboise. Ah oui, ça. Il y a aussi sur une montagne, bah, la montagne où il y a le TP Montagne Brumeuse, il y a, ah oui, il y a deux donjons qui ne sont pas faits. Ah oui, c'est vrai, il y a oui. Deux donjons aux montagnes, Montagne Terre Brumeuse et deux donjons à Framboise. Donc oui, on pourra les faire. Alors, si tu veux, alors on rentre en bateau ou on traverse la mer? Ah, le bateau va faire le... Non mais le bateau on le rentre, là on est pas loin. Bah... Je sais pas si ça va passer. Mmh. On va voir, je vais essayer de tracer... Faut aller un peu à droite. Sinon là tu vas foncer carrément sur la terre. Oui, je sais, t'inquiète. Le but c'est de remplir les trous en même temps. Mmh. C'est l'objectif principal d'Imora en bateau. Clairement. Bah, y a vraiment une grosse partie qu'on a fait un peu le tour au nord, près du justement du tout le nord du TP Framboise en fait. T'as tout là où... On a beaucoup explosé encore. On a pas explosé. Hein. Après, même regarde la map. On a fait quoi? On a fait... Mais même pas 15% de la map. Alors c'est par où qu'on peut passer? Après le point spawner, j'imagine. Ouais, c'est après la petite fourchette à gauche là. C'est ça. Ah. Un peu de vent. Bah les gars, sortez les rames. Là j'ai pas le pouvoir en plus. Hein. Je manquerait plus qu'il y ait un serpent de mer. Alors le mieux ce serait de prendre la droite du spawner. Sinon tu vas devoir manœuvrer et ça fait découvrir la carte en plus. Oui mais je peux pas parce que j'aurai pas le vent. En fait là il faut que j'aille à gauche si je veux avoir le vent. Ah ok. Donc ouais, je pense que moi le spawner c'est un petit truc, un petit îlot, je pense que je vais passer entre les îles. Ouais. Sinon je vais être embêté. J'espère que ça va passer le petit point là. Là je suis vraiment limité avec le vent. Bah, ça va, il y a un spawner nain gris sur l'île. Oui. Mmh. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il y a le point, pardon. Oui. Oui, j'ai pas pris le coup. Bon, bah tant pis. Pastana. Oh, regardez-moi ce qu'on a à gauche là. Il y a un gros cul bleu. Oh, comment il t'a regardé? Non. Allez, va prendre ta douche. De toute façon, il va mourir très vite. Hein. Il pourra pas venir. Il va faire tout le tour pour rien. Là, de toute façon, il est trop tard, là. Il pourra pas nous rattraper. Je sais pas si ça passe. Ça va frôler. Hein. Faut avoir confiance. Ça va un peu taper, mais c'est pas grave. Allez, tu peux y aller. Tiens,
Pas du tout ça. Vas-y, 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 c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe. C'est bon, c'est... là t'es pile poil. Reste tout droit. Si, si, ça passe. C'est juste pas assez profond. Il va falloir pousser. Faut qu'on a touché le sol, non ? Mais oui, faut attendre la marée haute là. On... Il y a un problème de profondeur. Et puis là, t'as le troll qui arrive. Je le surveille. Sinon, faut aller un petit peu à gauche. Non, non, il passe entre les deux cailloux. Non, là, il va frôler le caillou droit. Qui c'est qui pousse à gauche ? Il y a plus de place entre les deux cailloux que s'il passe à gauche. Je sais pas si on peut pousser. Non, ça marche. Montez, montez, montez. Putain, parce que du coup j'ai plus beaucoup de stamina, moi. Vas-y. C'est bon. Tu peux y aller, chef. Allez, vas-y. Allez, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. À l'aventure. Tout droit. On veut rentrer à la maison. Remonte un truc, ouais. Allez-y, tout droit, tout droit, tout droit, c'est bon. Bon, en plus, en fait, ça passe large, ça frotte même pas. Non, pas tout de suite. Mais non, il gère. Attention, il y a un caillou juste devant là. Là, je suis obligé de serrer à gauche. Attention, tu vas taper le caillou, tu vas taper. Il a le cul sur la terre. Ouais, mais comme ça permet de tourner direct, regarde. Vas-y. Après, on va tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Attention, ce qu'il y a le caillou. Allez, remonter. C'est un manœuvre, quoi. Tout droit, c'est bon. Oupsi. Non, tu l'as bloqué ? Non. Non mais Jake il est descendu du bateau, il avance, je crois qu'il est trop lourd. Il est juste avancé. Vas-y, vas-y. Et là tu peux pas mettre full voile. En fait là, il y a un caillou juste où je suis. Ah ouais. Hop. Tu limites niveau vent là. Hein. Ah, c'est bon. Non mais moi ça l'a plus déplacé. Tout droit mon capitaine. Bon ça passe mais on pourrait élargir je pense. Alors là, vraiment et tout... approfondir surtout. Faut pouvoir faire des travaux d'urbanisme ici pour pouvoir passer à faire un vrai canal. J'ai une idée, on a qu'à faire un pont. Oh non. Voilà. Faut pousser. Pousser. Il y a un nagri qui nous attaque. Comment vous allez sauter sur le nagri bande de sauvages? Mais non, moi c'est bête. Oui, je m'en fous du nagri, mais je fais le bateau aussi. Essayez de... On lève la voile, Imra, pour voir. Ouais, ça marche plus sur la voile. Ouais, parce que le vent nous pousse. Ouais, il va falloir faire des travaux. Hein. Voilà. C'est obligé de creuser un peu. Attendez-moi. Ah, mais c'est encore du. Ouais. C'est bon, c'est parce bon. Encore toucher, non c'est bon, tu peux y aller, tu peux y aller. Là, c'est. Ça passe. Moi, je touche à droite, à gauche. Ça frotte. Wow. Même pas. Je vous avais dit que ça passait. Mystique, comme on dit. Donc le harpon ne fonctionne pas sur les poissons. Je découvre un truc sur le stream que je n'ai pas moi. Quoi ? Il existe des roseaux dans le jeu. Ah, tu les vois pas ? Je n'en ai aucun. Ben non, je suis tout au minimum, donc je n'ai pas les roseaux. Quel roseau ? Ah, ok. Et oui, il y a beaucoup de roseaux. Oui. T'as vu des roseaux, toi ? Sur mon sel ? Ah oui, oui. Ah bon ? Ah oui, là-bas, oui. Attends. Oui, mais il y en a très souvent. Attends, regarde, j'ai... Temps. Ça fait partie de la flore normale. Bah, vu que j'ai tout au minimum, il y a des choses que je n'ai pas. Par contre, ça repousse pas. J'ai déjà essayé avec le cultivateur et les roseaux ne repoussent pas. Parce que je voulais mettre les roseaux dans la piscine, mais... Un X et une étoile. On est bientôt arrivé. On sait qu'on arrive. Oui, on y est presque. Une fois qu'on a passé le morceau de devant, c'est bon. Oui. Après, je vais être pleine voile si on ne tourne pas. Le bateau, il a pas pris trop cher. Tac, je vais tout en moyen parce que quand je vais arrêter, parce que là j'ai mis les graphismes à fond juste pour contrôler les roseaux, Jack. Donc je vais tout remettre à moyen. Montez,
Enfin, c'est, t'avais pas besoin de modifier, je les avais vus via ouais, ton mais écran tu, déjà. Tu les vois encore plus quand... Enfin, tu les vois plus de loin. De... Tu les vois mieux. Si non, ouais, mais je te fais pas laguer pour rien. Oui, non, non, bah, non c'est, en fait, c'est... Là, sur la mer, ça va. Mais c'est quand on va arriver dans le ville, dans la maison. Ah oui, mais c'est pour ça, t'avais pas besoin de toucher tes graphismes. Ouais, c'est pour ça, j'ai remis, t'inquiète. Et là, je mets la musique de One Piece, et puis c'est bon. Allez, une dernière tempête sur la route. Eh oui, pour le fun. T'as pas un petit serpent qui va nous faire un petit coucou, là, juste avant la maison. Moi, j'ai plus de bouffe. Il y en a pas dans la Méditerranée. Dans la Méditerranée. C'est Jet qui avait dit que c'était la Méditerranée. Oui. Bon, même si la Méditerranée ne connaîtra jamais ce genre de vagues. Ouais. Mais oh, quand même. Ouais. Il y a des vagues dans la Méditerranée. Hein. Il y a... Actuellement, il y a ma mère qui est en vacances chez une tante qui vit vers Montpellier. Ils sont allés à la mer, à la Méditerranée. Elle a pris une photo de vagues qui me frôlent les chevilles. Et enfin, une vidéo plutôt. Et sur la vidéo, bah, t'as la sudiste qui l'héberge qui dit « Oh mon Dieu, la Méditerranée est à fond, là. C'est une violente tempête. » Non, mais non. N'importe quoi. Et c'était très drôle. N'importe quoi, là. On va jamais en Bretagne, du coup, hein, parce que... Vos vagues maximales, c'est... Non, mais c'est ridicule. Les vraies vagues maximales de la Méditerranée, elles font aussi flipper que celles de l'Atlantique, et elles sont d'autant plus dangereuses, en plus. C'est juste... Moi, j'y crois. Ouais, mais est-ce que tu as connu les vagues de l'Atlantique, Jack? Bah, bien sûr. Oula. Ça... Oui, il a bu le capitaine. Ouais, non, c'est surtout que j'ai eu un gros lag où j'ai vu... Ah oui, non, mais il y a eu un méga gros lag, là. Puis surtout, ça a tourné le bateau sans rien demander. Oui. C'était un peu dangereux. Bon, on va toujours pas à la maison, hein. Ah, les droits devant... T'as pas les yeux de Legolas. Ouais. Par contre, ça aurait été encore mieux qu'on arrive de nuit. Comme ça, on voyait les phares et tout. Ouais. Après, on peut attendre, hein, je stoppe le bateau. Ouais, non. Oh, merde. Non, j'ai faim, là. J'ai envie de manger. J'ai faim, pour vous. Ah, faut faire un choix. Ouais. Ah, il y a un jardin de framboises à gauche. Ouais. Nam. Les écarts de température et les biomes dans les jeux vidéo, c'est toujours nawak. Ouais, capitaine, je perds des FPS. Capitaine. Non mais c'est, on arrive c'est près de la maison. Mais regarde-moi ça, un petit créneau là. Littéralement. Avant que la maison se charge, j'étais à 50 FPS. Je bon, vois ça les... va, 50. Ouais, 50. Les 4 phares de la maison chargés. 30 FPS. ça me tuera toujours. Allez, un giga créneau, capitaine. Et du coup, c'est vrai que là, t'as le. Je pense que vous êtes assez large, capitaine, pour bien rentrer comme. Ah, tombé à l'eau. Voilà, il est tombé à l'eau. Bip. Non, il voulait bip, nager. Bip. J'écrase ta gueule. Mais je pensais qu'on pouvait se maintenir. Alors, un peu plus à gauche, capitaine, sinon. Ah mais je vais prendre large si je veux rentrer tout droit. Ouais. C'est une blague mais on est en stream. Réparer déjà. Oula. Faut arrêter les moteurs tout de suite. Quand la voile est bien tournée, le bateau rentre. Hein. Mais t'as vu, c'est parfait là, en vrai. Nickel. Alors là, franchement, nickel. Vous êtes arrivé à destination. Incroyable! Il y avait des trucs dans la cale? Oui, il y avait de la bouffe. Il y a plein de bordel. Moi j'ai rien pris par contre dans la cale, j'étais en train de piloter. Je viens de le dire, il n'y a plus rien dans la cale. Ah, t'as tout pris? Oui, je sais, mais moi j'ai rien ramassé parce que j'ai pas débloqué les plans. J'étais en train de piloter. Ah, donc tu veux ramasser? Tout à fait, je veux les trucs.
À moi. Bah attends. Non, moi j'ai déjà eu les écailles, tu gardes la viande sur toi. Ouais, tu veux que je mette la viande ? C'est pas fini. Voilà. C'est bon. Let's go. Du coup, on va mettre la viande à cuire ? Voir ce que ça fait ? Ça fait pas de recette, c'est que de la viande comme ça ? Bah, il faut peut-être la faire cuire pour avoir les recettes justement. Ah, je crois qu'il faut la faire cuire. T'as juste mettre une pour voir. Ah oui, c'est un morceau du truc. Sacré morceau. En effet. Ah bah c'est une belle bête hein. Ah bah... Bon grosse déco ça. Ne la mangez pas hein, je voudrais aussi récupérer l'objet. Là je pense que... On en a pour une semaine hein, voire... Bah, si t'es tout seul à le manger. Ça dépend, sur Monster Hunter c'est un seul repas. Hein. Après, en vrai, t'enlèves les écailles et tout, hein. Tu perds déjà pas mal, hein. Avec le four à pain. Ouais. Ouais. C'est stylé avec les casseroles à côté et tout. Ah, mais du coup, le four à pain, on faudra ajouter du bois que quand on... Que quand on va cuire. C'est pas comme le four. Ah oui, il crame tout le temps. Ouais. Ouais, c'est comme un feu de cuisine en fait. Ouais, j'ai le rempli là. Ah, hop. Je récupère. Alors, on a récupéré une recette. Hop. Soupe de serpent, let's go. Et du coup, la soupe de serpent, ça nous donne quoi? On a un truc de viande cuite normalement. Bah alors, je la vois pas. Ah oui, soupe de serpent, 80 de vie, 26 d'endurance, 4 régénérations de vie par 10 secondes. C'est costaud quand même, on va pouvoir faire des sessions chasse aux serpents. Hein. Ah ouais, il faut un champignon rouge, 2 de miel et une viande de serpent cuite. En vrai, ouais, je pense que tu peux mettre toute la viande à cuire. Hein. Ok. Je pense que comme ça au moins c'est déjà fait. Ouais, ça fait gros. T'as eu la recette ou pas, Jack? Non. J'ai mis dans les plats la viande cuite. Eh, le coffre à viande, il est là. Mais j'ai vu que des viandes crues dedans, non? Non, c'est là ici, le coffre là. Attends, je te le mets, Jack. Ah, j'ai pas vu. Hop, j'ai acheté une. Ouais, là... Okay. Donc en gros, c'est serpent, cuisson, puis soupe. C'est ça l'étape. C'est ça. Et farmer champignons rouges. Ah, problème. C'est ça le problème. Je m'en occuperai. C'est que... Après, il y en a plein derrière la maison, on ferait replanter des arbres d'ailleurs. C'est que le champignon. C'est deux champignons rouges. Attends, je vais regarder s'ils ont besoin de manger. Okay, les cochons. Ah, les cochons, ils ont faim. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils font la queue leu-leu. Bah si tu leur donnes à manger. Oui. Non mais là ils étaient carrément collés au mur et ils font la queue leu-leu en fait. Ils essayent de traverser le mur. Bah leur donner à manger. Petit. Ah. Ça sera donc un étage terrasse. Très bien. Bah c'est Draken qui voulait pas de mur. Ah non, on pouvait faire des murs, mais c'était juste... Enfin, je pense que comme on avait beaucoup de pierres... Bah après, si vous voulez faire des murs, on peut faire des murs. Hein. Mais je trouve que ça fait joli comme ça, non? Je m'en fiche, moi. L'étage est terminé, là. Je trouve que ça fait... Ouais, ça fait joli. Puis T'as déjà fini le temps en entier, là? Oui. Putain, mais... Je suis passé 50 ans à mettre 3 trucs, quoi. Prenez-moi les champignons, vous. T'as l'habitude. Allez, bouffez tout ce... Bon, il est pas parfait, j'ai posé un peu à l'arrache, mais ça va. Allez, mangez tous votre stack de champignons, puis après je les reprends. Ok. La poêle leur donne pas des champignons, donne leur des navets. Ah oui, c'est vrai, mais... Bon, ils ont... Les champignons, tu vas dire qu'on va en avoir besoin. Ouais, on peut en faire un infini.
Ils peuvent manger les navets? Je pensais qu'ils mangeaient que les champignons. Ah non, ils mangent 5 trucs différents, eux. Ah, ok. Bah, je veux bien récupérer. Bah, ils vont déjà tous manger. Bah, ça fait quand même très eau, hein, le fait de leur donner, de leur jeter la bouffe. Ah, c'est le principe, hein. Mais du coup, ouais, les champignons jaunes, ils ne servent plus à rien. Si, si. Si pour des, parce qu'on peut l'utiliser. Bah, pour des plats, non? Ouais, des mais... Jaunes. Il n'y a pas des plats qui ont besoin des champignons? Jaunes, je sais pas. Peut-être des hydromels avec les champignons jaunes, sinon. Donc, des hydromels, peut-être, alors, dans ce cas. Parce que j'ai jamais vu de vrais plats avec les champignons jaunes. Le harpon, je le mets où? Est-ce que je le mets dans la canne ou pas? Avec la canne à pêche. Canne à pêche. Bon, couvre-toi. Canne à pêche. Hydromel d'endurance. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ah, t'as mis ta hache de cristal c'est tout. En haut, et moi? Il y en a une en trop. Ah. Mais j'en ai fait une. Ouais. Ok. Mais du coup, si quelqu'un l'avait, il pourra la prendre. Il suffit juste de l'améliorer encore un peu. Oui. Bon, et eh bien c'était parfait. Bon, on a réussi à faire tout ce qu'on voulait. Cool, bah ouais. Donc ouais, il y a que l'hydromel d'endurance pour les champignons jaunes. Ah oh ouais. Ouais, c'est pour... Pourquoi mais il faut aussi du charbon, non? Des charbons pour l'endurance? Oui, il faut pas que des champignons jaunes. Ah oui, ouais, ah oui, pour le bon endurance, il faut des jaunes et des plaques bière. Sinon, c'est des framboises. Soupe de serpent. Oui. Bon. Eh ben, moi, je vais m'arrêter là. Hop. Quitter le jeu. D'ailleurs, ma champignonnière, elle fonctionne ou pas du tout? Je suis pas retourné depuis la nuit dernière, mais c'est vide. Dommage. Faudrait voir si c'est vraiment possible. Parce que dans la maison V2, on avait des champignons qui poussaient, mais je sais pas c'est quoi la condition. C'est vrai. Bon, et bien messieurs, c'était fort sympathique. On a pu faire au moins tout ce qu'on voulait faire. C'est cool. Pour ma part, prochain stream demain, soir. Sur quoi? Je ne sais pas encore. Peut-être du... Soit Pyjama Sam. Soit je commence un autre jeu. Ce sera à définir. Du coup, n'hésitez pas à suivre Vincent Studio sur nos réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Vous abonner à la chaîne si ça vous dit. C'était Draken, Jake, Imra et Wed. Et on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Cordialement bisous.